Cuba. Attends, Allô, Déjà, je allô, l'avais bébé, oublié. bébé. La sauce gombo, le bébé. Allô, allô, bébé, bébé. Comme je ne me trouve pas trop belle aujourd'hui, hein. Quand je suis comme ça. Alors, bébé. Premier commentaire, c'est pas toi. C'est Marine Diomo qui est premier commentaire. God light Mitch. Je t'aime, ma tata. Moi aussi. Willingham, bonsoir. Pourquoi je ne me trouve pas belle aujourd'hui comme ça? Il y a quelque chose qui manque. Charlotte Desbertes, bonsoir. Émilienne Egoumé, bonsoir. Véronique Mas, bonsoir. Ivana Ivana, bonsoir. Daniel Choco, Yolan Bala, bonsoir. Bonsoir, donc bonsoir. Émilienne, maman, partagez le live. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité du net. Comme vous savez que dans Facebook, là, il y a des gens qui ont le pouvoir. Qui envoie les bas Interpol au Cameroun. Donc, nous allons parler de l'actualité du net. Je vais dire à mes chères sœurs et compatriotes africaines qu'enlevez les organes quand vous venez à mon direct. Parce que moi, je ne suis pas une suiveuse. Bonsoir, Sylvie Tenier, Natacha Pierre, bonsoir. Chacun a sa liberté de penser. Et chacun a sa façon d'aller. Bonsoir, ma belle-sœur. Moi, Foyomeni. Comment nous? Ça fait longtemps, je ne te vois même plus, hein. Peut-être nous ne sommes pas amis sur le tata Lolo Fodia. Parce que là, Lolo Fodia a fait un mois ou deux mois que je ne suis pas parti sur la page là. Donc, ne venez pas avec les organes dans mon direct. Chacun a sa liberté de penser. Chacun a donc libre. Je suis libre de donner mon avis. Ne venez pas me détourner de mon avis. Et chacun a son avis. Et que mon avis ne doit pas vous nuire, vous influencer. Et que votre avis ne doit pas m'influencer. Parce que nous ne sommes pas nés pareils. Nous sommes nés chacun à ses mentalités. À tout. Nous sommes pas, même les jumeaux, il y a quelque chose qui les diffère. Donc ne venez pas ici à mon dire avec les organes. Ne venez pas avec les organes. Si vous venez à mon dire avec les organes, vous partez. Je ne suis pas moi dans l'émotion. Et comme on dit, l'émotion est nègre. Moi, je ne suis pas dedans. Quand il faut juger une affaire, je juge une affaire. On ne se limite pas dans les larmes. Tout le monde pleure. Moi, je me connais pleurer. Si je m'énerve devant vous, je vais pleurer. Je ne veux pas y faire comme on va porter qu'un Interpol. Bonsoir, ma Lydienne Amant. Je parle de l'actualité. Sylvie Tenier peut avoir raison sur quelque chose. Moi, elle dit qu'elle n'a pas raison. Et comme je peux avoir raison, Sylvie Tenier dit que Tata Lou n'a pas raison. Mais ça ne doit pas nous causer des problèmes. Ça ne doit pas. Parce que, en fait, vous aimez imposer aux gens. Vous aimez imposer votre pensée aux gens. Vous savez que si tu as dit que quelqu'un a dit oui, la personne aussi dit oui. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, enlevez les organes dans mes commentaires, dans mes directs. Enlevez les organes. Ne m'insultez pas. Parce que vous pouvez être contre ce que je dis sans toutefois m'insulter. Si vous m'insultez, c'est là où je gâte tout. Bonsoir, Léna, bonsoir. Donc, je suis en train de dire que nous allons parler de l'actualité du net. Partagez le direct. Nous allons parler de l'actualité du net. Nous avons aussi cette semaine, il y a eu quelque chose qui est à la mode. Yolan Bala, bonsoir. Il y a une actualité qui est à la mode. Nous voyons les femmes qui pleurent sur Internet. Les femmes qui pleurent qu'elles ont souffert dans les foyers. Oui. Donc, nous allons parler de ça. Moi, je vais donner mon avis là-dessus. Voilà. Nous admirons le courage des femmes qui ont le courage de dénoncer, de dire que oui, j'ai fait quoi, j'ai fait comme ça. Mais avant ça, il faut nous expliquer la base. Parce que c'est trop facile. Nous débattons. Je n'ai pas dit que vous forcez, sauf que vous ne me prêtez pas les idées. C'est ça le débat et nous sommes là pour débattre. Oui, ma chérie, nous sommes là pour débattre. Ne venez pas m'imposer. Je dis que l'émotion est nègre. Parce que vous ne voulez pas, quand vous trouvez une affaire, dès une personne pleure, vous avez que la personne a raison. Non, ce n'est pas comme ça. Je veux vous dire que c'est le moment de sensibiliser vos enfants dans les maisons. Sensibiliser vos enfants. Parce qu'en nos jours, le monde Android a gâté le dehors. Les enfants ne connaissent plus, les enfants n'ont même plus le respect. La jeune femme n'a plus le respect même pour son corps. Nous, avant, pour exposer nos seins, on avait honte.
C'est la raison pour laquelle quand tu avais les gros seins avant au Cameroun, tu portais le Kamangono. Par exemple, tu avais honte que tu vas manger. Hey, voilà la fille avait les gros seins. Aujourd'hui, nous, on expose nos seins parce que la vie, les choses ont changé. Avant, quand les filles avaient les grosses fesses, les filles, regarde-moi les mandjandjans, on t'insultait parce que tu as les grosses fesses. Aujourd'hui, les femmes partent même ajouter pour avoir les fesses là. Ça veut dire que les choses ont changé. Le monde a changé. Sensibilisez vos enfants. Parce que les enfants, les filles vont aller marier les hommes serpents ici là dehors. Vous savez qu'on ne vous avait pas dit. Parce que vous avez les longs yeux. Parce que quand on parle, vous dites que toi-même tu as raté ta vie. Je n'ai pas raté ma vie, hein. Non, quand vous me regardez, je ressens même une fille qui a raté sa vie. Mais attends, parlons vrai. Quand j'entends ces filles-là qui se limitent dans les affaires que, oh, tu n'as pas conçu la maison. Donc votre vie, c'est, la vie se limite, c'est pas si on a conçu la maison. Vous êtes des pauvres. Vous êtes les gens que vous avez voir dans vos vies. Vous n'avez pas connu la toiture. Vous avez vécu dans les maisons en paille. C'est vrai qu'on sait que, donc vous êtes venu en bain avec la rage d'avoir la maison en dur. Moi, je n'ai pas le même problème que vous, hein. Si je rentre au Cameroun, je dors dans une maison en dur. C'est qu'est-ce que c'est ça? Je suis dans une maison, donc je n'ai pas ce problème de maison. Donc pour vous, c'est réussir la vie, c'est d'avoir la maison. J'ai réussi dans ma vie parce que je ne suis pas au quartier à Douala en train de déranger ma tante ou mes oncles pour demander de quoi manger. Non. Je suis pas en train de mendier un peu chez les copines. Non. Je suis en Europe où des milliers d'Africains meurent dans l'océan pour arriver où je suis là. J'ai une stabilité, j'ai le chez moi, j'ai mon adresse, j'ai ma fille, j'ai mon homme. Je ne vois pas ce que quelqu'un me dit que tu as raté ta vie. Tu te bases sur quoi pour dire que j'ai raté ma vie? Hé, hey, dis-moi, tu te bases sur quoi? Parce que tu as conçu une maigre maison, mais je m'énerve en 6 mois, je te conçu une petite villa durant au Cameroun. Je m'énerve en 1 an, je te tape un immeuble au Cameroun si je veux. Mais la vie, c'est un choix. Je n'ai pas d'attache au Cameroun. Ça, c'est vrai. Je n'ai pas d'attache. Je n'ai pas d'attache. Mes parents sont partis très jeunes. Je suis en bain. J'ai ma fille. J'ai raté ma vie avec quoi en bain. Donc, je suis gagné ma vie. Donc, quand on vous donne les conseils, c'est parce que nous qui avons raté nos vies là, nous avons l'expérience de vous dire que le chemin que tu es en train d'emprunter là, j'ai emprunté ce chemin. Dans les conséquences que tu vas trouver là-bas, je peux déjà te prévenir que le chemin que tu prends là, où moi-même je suis passé, c'est un mauvais chemin. Parce que moi, voici au chemin ici, je ne savais. Si tu passes le chemin ici, ça serait un bon chemin. Donc, nous qui avons raté nos vies, nous avons plus d'expérience de vous expliquer les choses comme il se doit. Sans jalousie. Donc, on veut vous donner les conseils. Ne soyez pas fanatique. Ne soyez pas fan. Soyez logique. Apprenez à analyser les choses. Ne soyez pas des moutons qui courent. Ne me jugez pas. Mais je vous dis que la jeunesse aujourd'hui est pourrie. Les femmes cherchent. Il n'y a plus le vrai amour. À notre époque, on s'aimait parce que nos cœurs battaient. Tu voyais ton gars, il n'a rien. Il porte les babouches amoureux de ton gars. Il t'écrit les petites lettres d'amour, on n'avait pas les téléphones. Il lance même parfois le papier. Quand tu ramasses, tu pars te cacher dans un petit coin, tu lis, tu dis que chérie, je t'aime. C'était le vrai amour. Aujourd'hui, l'amour est basé sur le matériel. C'est à cause de ça que vous voyez, les mariages, ils échouent. Les mariages d'aujourd'hui échouent parce que l'amour est basé sur le matériel. Donnez-moi seulement le nom de combien de filles sont mariées sur la toile. Elles n'ont même pas pu faire 1 an de mariage. Donnez-moi seulement les cas. Toutes ces stars des réseaux sociaux-là, elles sont parties se marier, elles n'ont même pas pu faire 1 an de mariage. Donnez seulement les noms. Citez seulement. Si une d'elles a fait même 3 ans de mariage, on voit. 3 ans de mariage. Elles sont, vu que les mariages sont toujours finis. Finis. Donnez seulement les noms. Hein? Oh, Rita, vois ma fille chérie. Les filles, le mariage ne dure pas. Parce que le mariage est basé sur le matériel. Nos mariés, nos parents duraient dans le mariage parce que nos parents s'aimaient. Nos parents s'aimaient, elles choisissaient l'homme, nous choisissons l'homme qui nous convient. On ne choisissait pas un homme par rapport au matériel. On ne choisissait pas un homme parce que machin. Nous on aimait nos gars, parfois on partait même voler la nourriture de maman pour aller donner à nos gars. Nous on volait la nourriture à nos gars, nos mamans pour aller donner à nos gars. Ton gars fait comme ça à l'école, il n'a rien, tu parles avec lui à l'école, il rentre, il n'a rien. Tu n'aurais pas encore volé la petite nourriture de ta mère. Les couples se sont fondés à l'école, ils ont grandi ensemble, ils se sont mariés. Aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, elles ont les longs yeux, les panthères. Les panthères. Et quand elles partent, ça leur coule les pieds, dit que si, elles savaient. N'encouragez pas le faux. Ça doit vous servir de leçon et d'apprendre, de conseiller vos enfants dans les maisons. Vous, les mamans, là, arrêtez de dire à vos filles que voilà ta voisine qui a conçu un immeuble. Toi, tu as quoi? Arrêtez de dire ça à vos enfants. Vous allez envoyer vos enfants au chemin de si je ne savais. Arrêtez de lire les millions dans les comptes bancaires des gens. Parce qu'une fille a mis les lunettes. Parce qu'une fille a mis les chaussures Gucci. Elle a mis les lunettes. Tout est chinois à nos jours. Tout est chinois à nos jours. Il y a le snap. Tout est chinois. Ce n'est pas bien parce que comme une fille marche avec tout, c'est qu'elle n'a pas porté le chinois. Elle porte chinois. Vous avez compris? Elle porte chinois. Tout est chinois.
Tout ce qui brille n'est pas or. Aidez-vous mentir. Oh, elle a déjà l'argent. Elle a qu'elle a, tu connais son compte bancaire. Hein? Tu connais son compte. Bonsoir, le maréchal. Le Pascal supérieur de Kamamougou. Partagez le direct. Ouais. La page est si d'or. Il faut au moins 1000 personnes. On peut pas... Nous sommes là pour sensibiliser. Si ça ne va pas, je coupe. Hein? Je vous dis ça. Vous voyez une jeune fille, maman, mes soeurs. Quand... D'abord, je vais vous dire d'abord que le comportement d'une femme chasse l'homme. Quand tu vois une femme qui est au, qui est hautaine, qui méprise les gens, ça veut dire que même dans son foyer, ça ne peut pas marcher. Le comportement d'une femme chasse les hommes. Moi, vous voyez comme je suis là, j'aboie. Mais je suis comme l'œuf. Je suis comme. Je suis, si vous demandez pas à mes hommes, que Lolo, là, quand elle est amoureuse, elle est comment? On va dire qui? La fille n'a pas les mêmes. Je deviens comme le bébé. Je prends mon homme comme l'œuf. Je prends mon homme comme l'œuf. Je fais tout pour l'amadouer. Les femmes. Que le caractère, tu veux toujours montrer que c'est toi qui es le tout si mamie, vous aimez entendre. Vous êtes tombé hein, sur le grand frère du fait. Sur le grand frère du fait. Et je vais vous parler. Les féman, il y a les hommes qui sont féman en amour, comme les femmes sont féman en amour. Il y a les femmes qui passent escroquer les hommes parce qu'elles aiment l'argent, parce qu'elles suivent l'argent. Il y a les hommes qui parlent, les hommes aussi qui sont faits en amour. Ce qui s'est passé dans la semaine là, on appelle ça le fait. On va s'expliquer. C'est le fait. Le fait a marché. Le, deux faits se sont rencontrés. Le meilleur a gagné. Vous avez compris? Vous avez compris? Il faut, je vais d'abord vous dire quelque chose. Quand une femme vient en public, dit au monde entier que j'ai sorti les hommes mariés. Et aujourd'hui, tu pleures qu'on prend ta part. Tu connais comment les femmes que tu as sorties avec leur mari, c'est qu'elles ont subi pendant que tu sortais avec leur mari. Hein? Il y a le karma ici dehors. Ya! Yeah. Tu sais que, hein? Dans la vie ici, quand tu me fais, moi, je n'ai pas pitié. Parce qu'il y a les femmes ici, que quand tu commentes avec son mari, vous connaissez ce que les tis à fond aux femmes ici dehors. Quand papa fait la sœur souvent ici, quand tu vis en couple, même pas seulement marié, quand tu vis en couple et que ton gars est dehors avec une autre gars, quand tu appelles le téléphone, tu entends la voix d'une autre gars, tu peux avoir l'AVC. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Je suis une victime des femmes du dehors. J'ai vécu ça. Moi, Lolo, vous avez vu les femmes mariées, vous avez passé aux femmes mariées qui ont subi. Parce que, hé, je vais vous dire quelque chose, hein. Pensez à nous, les femmes mariées, nous qui vivons en couple. J'ai vécu ça, j'ai failli mourir. Je vous ai raconté mon histoire. Que j'ai failli avaler ma langue. Parce qu'une fille m'appelle au téléphone. Elle me dit qu'on attend que tu sors. Non, je te remplis dans la mairie. Que quoi? Dans ma maison. Dans ma maison, on a failli me mettre dehors. Vous connaissez ce que les femmes qui sont dans la maison là. Quand vous prenez leur mari, vous binez avec eux correctement bien. Vous le naguez même dans les Snapchat. Vous connaissez ce qu'elles endurent aussi. Parce que vous venez faire les j'entends partout, courage. Toutes les femmes africaines sont courageuses. Les femmes africaines, il n'y a aucune femme africaine qui est faible. Les femmes africaines sont les femmes qui ont du caractère. Donc nous tous, nous avons quelque part un courage. Il faut arrêter vos choses là. Hein? Allô, papa Fodia. Oui, maman. Oui, maman. Non, il y a un ici en haut, en bas, après le pont là, maman. Après le pont. Le pont de comédie, là. Si. Merci. Donc, ne soyez pas dans le direct. Moi, hein, je ne suis pas dans vos choses là que vous parlez là. Nous allons décrypter ce qu'une femme a sorti de sa bouche aux yeux du monde entier. Une femme qui dit devant les gens au monde que j'ai sorti avec les hommes mariés. Pas un, les. Les. Et parmi ces hommes mariés là, il y avait des femmes qui souffraient. Des femmes peut-être, pas peut-être parce qu'elles ne sont pas stars, que nous ne sommes pas au courant. Elles ne sont pas peut-être stars, elles ne sont pas peut-être réseaux sociaux, elles ne sont pas peut-être snap, dont on ne peut pas connaître ce qui s'est passé dans leur vie pendant que ces femmes-là ont été dans leur couple. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Et aujourd'hui, tu souhaites que le pire arrive à une qui sort aussi avec ton mari. Donc, ça veut dire que toi aussi, on devait te sauter le pire. Franchement, la femme africaine est...
Ouais, l'émotion peut vous tuer. Vous êtes tellement émotive que parfois quand vous regardez que tchaï. Tu étais là. Tu étais là. Elle dit ce que tu vas entendre. J'ai sorti avec. D'abord, c'est interdit. Une femme de diable, vu qu'elle est sortie, elle les ont mariés. C'est interdit de dire ça. C'est honteux. Vous avez compris? Une femme dit devant elle qu'elle est sortie avec les. Un homme marié, ça se comprend. Mais les hommes mariés, tu connais combien de foyers tu as brisé? Tu en sais quoi? Comme les femmes ne sont pas stars, on ne peut pas connaître ce qui s'est passé. On ne peut pas connaître ce qui s'est passé dans les foyers que vous avez brisés quand vous sortiez avec le mari. On ne connaît pas ce que ces femmes ont subi comme souffrance, comme douleur. On ne connaît pas. On ne connaît pas ce que ces femmes-là, les pleurs, les nuits blanches sans voir le mari. Pendant que vous êtes allé dans les grâces, dans les voyages aux États-Unis, en France, partout, les grands hôtels, entre-temps, la femme était à la maison avec les enfants. Peut-être on ne lui donnait même pas l'argent qu'on vous donne. Vous allez pleurer quoi? Partagez le live. Souffrez de m'écouter. Je dis la vérité. Vous avez compris? Le karma existe. Dans la vie, si tout ce qu'on nous fait, ça nous rattrape. Il faut faire attention de faire du mal aux gens. Il faut faire attention de faire du mal aux gens. Vous avez compris? Il faut faire attention de faire du mal aux gens. Moi, je ne prononce pas le nom de quelqu'un parce qu'ils sont ici forts pour leur dire que le truc est Interpol. Interpol a fait que. Oui. Et vous, les mamans, là, quand vous prenez, vous prenez le téléphone pour dire que vous conseillez les enfants, les gens. Conseillez vos enfants à la maison de ne pas avoir les longs yeux. Hein? Conseillez vos enfants de ne pas avoir les longs yeux. C'est tout ce que tu peux dire que je n'aime pas la personne, tu vois. Les idées noires, parce que vous les noirs, il suffit que vous les femmes africaines, il suffit que quelqu'un vous donne les cons, donne son avis sur quelque part, elle n'aime pas la personne. Mais elle-même. Tu vous voyez, les mentalités, vous ne voulez pas évoluer. Vous ne voulez pas évoluer. J'ai raté ma vie, mais je peux vous donner les conseils. Vous avez compris? Donnez les conseils à vos enfants. Conseillez vos enfants dans la maison. Arrêtez de venir conseiller les enfants, les gens sur Facebook. Je donne un conseil. Vous conseillez quoi? Conseillez vos enfants. Les réseaux sociaux ont gâté la jeunesse africaine. La jeunesse mondiale en général même. Les réseaux sociaux sont venus très dangereux. Les femmes vivent que sur les réseaux sociaux. Une femme se marie dans les réseaux sociaux. Elle divorce dans les réseaux sociaux. Vous avez déjà vu ça où? Vous venez applaudir quoi? Vous applaudissez quoi? Vous vous mariez dans Facebook, vous divorcez dans Facebook. Et vous, pour finir, même tu vois quand vous êtes en train de binda. Vous n'avez plus de vie privée. Vous êtes devenu quoi? Hein? Ton mari chie. Demain, tu viens poster. Ton mari pisse. Vous croyez que papa, il ne me fait pas ça dur ici? Vous croyez que papa, il ne me fait pas ça dur ici, dans cette maison? Papa, il ne me fait ça dur sans vaseline. Mais ce n'est pas tout que je vais venir expliquer sur les réseaux sociaux. Parce que ça, c'est ma vie privée. Vous comprenez? Même les réseaux sociaux, vous voyez là, il y a la sorcellerie dans les réseaux sociaux. Il y a le wish dans Facebook. Il y a le wish dans Facebook. Tu veux dire te marier, tu mets quoi? Les sorciers qui viennent commenter là, ils sont en train de prier ton malheur. Ils gâtent ta vie. Faites vos choses en solo. Même les stars américains cachent leurs choses. Quand Beyoncé s'est mariée, on a seulement volé les photos avant de voir. Ou elle a vendu ses photos dans un magazine. Ce n'est pas qu'elle veut exposer tout le monde entier voir. Les sorciers qui en ont fait, vous ne savez pas de nom. C'est le temple de du wish Facebook que vous voyez là. Ça gâte les foyers, ça gâte les business, ça gâte tout. Je vends mes gélules. Tout le monde, il y a que les gens, il y a les gélules. N'oubliez pas de commander. Maman, moi, je vous donne les conseils, je déteste ces personnes. Oui, Rita, pourquoi tu n'es pas d'accord? Ça, c'est pour toi. Tu es ma fille, non? Ça va pas changer, nous disait. Je vais mettre vous allez appeler. Hein? Tu vois? Je veux dire que vous êtes en train de. Les petites filles d'aujourd'hui ont les longs yeux. Mon frère. Hein? La polygamie a prouvé en Afrique. Mais gérer alors vos polygamies. Tu vas voler le mari de quelqu'un, tu vas dire que c'est la polygamie. C'est le vol. On ne prend pas le mari de quelqu'un, maman. On prend pas un, pas deux. Les maris, les hommes maris. Tu vas prendre pour gagner ta vie. Tu sais combien de femmes tu as fait souffrir pour avoir les opportunités que tu as eues. Pour avoir. J'ai saisi mes opportunités en sortant les maris des gens. Tu connais les souffrances que les femmes ont eues dans la maison. Tu connais deux choses avec le mari. Il y a les filles qui ont connu le mari, n'avaient rien. Elles ont souffert, la balade malassée. Parfois, c'est le riz sauté avec le mbunga. Pour arriver, lui, c'est le mari devenu milliardaire. Le jour qu'il faut manger, pas manger avec les gars dehors. Elle a gâté nague même sur Snapchat. Elle te nague sur Snapchat.
Elle te nague sur les photos. C'est quand elle est en congé, l'une des mille avec son mari, qu'elle fait les photos comme ça, crac, crac, elle met sur son sein. On voit l'ombre de ton mari derrière. Tu m'appelles. Hein? Hein? Partagez le, vous voulez pas partager le direct? Partagez, je vais partager sur mes pages. Vous souffrez pourquoi? Parce que vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Vous, les femmes africaines, vous n'aimez pas. C'est à cause de ça que vous êtes toujours étudiants. Je dis que quoi? Le mariage, quand on se marie dans Facebook, ça finit dans Facebook. Vous avez dormi ensemble quand dans le lit avant de dire que le divorce, il y a eu le divorce. Vous avez dormi quand dans le lit? Vous avez dormi combien de jours dans un lit avant de dire qu'il y a eu le divorce? Un mariage que tous les jours vous êtes que sur Facebook. Quelqu'un écrit Facebook. Quelqu'un chie Facebook. Snapchat. Voici cela. On ne encourage pas son enfant à cheater comme ça. Vous avez compris? Nous, même, on a cheater. Eux, ils ont la chance qu'aujourd'hui, ils ont connu le monde Android. Nous, on n'a pas eu la chance qu'on a connu le monde Android. On n'a pas eu cette chance-là. Mais ces femmes ont la chance aujourd'hui qu'elles ont connu le monde Android. Quand elles ont des opportunités. À travers les réseaux, elles peuvent gagner leur vie. Elles n'ont pas besoin de pavaner à tout le moment. Quand on pas... J'ai vu une fille à la cigarette. Moi-même, je fume la cigarette. Une femme mariée ne fume pas la cigarette comme ça, là. J'ai demandé à la reine mère de Lomaya que y'a une femme mariée dans les boîtes de nuit à Yaoundé en train de fumer la cigarette comme si. Non, mais dis donc, avec quel genre de personne autour d'elle. Et vous partez là-bas avec ça. Tu sais, la femme, c'est d'abord son personnage. Des petits voyous, il y a un qui a voulu même manquer le respect. Il y a les petits voyous du règne de tout. Les petits chindas du Cameroun, là. Il y a un qui a voulu même manquer. J'ai regardé l'animal, que tu veux me parler à qui, maman? Tu es malade. Ton cerveau ne paie. Tu as payé, tu as fumé l'huile. Tu viens. Tu. Il fallait voir comment ils étaient. Des maigres, maigres. Franchement, il y a un certain niveau que quand tu as déjà atteint, il y a des personnes que tu ne dois plus fréquenter. Tu dois fréquenter le monde de ta classe, de ta catégorie. Tu dois y avoir. Bon, comme tu veux vouloir. Si celui qui veut me parler mal, je bloque. Tu vois les jeunes femmes. J'ai dit que Seigneur, dans Facebook, c'est comme ça. Aïe! Une jeune fille! Non, moi, mais plus la cigarette, mais pas la qualité, là. Pas dans, la, pas dans ce cas, c'est quoi, ça? Je ne suis pas mariée, chérie. Je ne suis pas mariée. Je ne suis pas une star des réseaux sociaux. Tu regardes-moi quelqu'un. Je suis mariée. Tu as vu? Donc, je disais que je ne suis pas mariée, mais j'ai l'expérience d'une femme qui sont mariées. Elles sont mariées, elles ont fait 2 mois, c'est fini, non? Elles ont dormi dans le lit avec leur mari combien de jours? Moi, ça fait 12 ans que je dois avec papa faire tous les jours. Elles ont dormi dans le lit. Donc, elles ont venu me parler de mariage. Elles ont venu me parler de vivre en couple. Je leur dépasse. J'ai plus d'expérience qu'elles. Je vous le dis, ce n'est pas un débat. J'ai plus d'espérance qu'une personne qui est un personnage public ne peut pas fumer la cigarette en route comme ça dans les bonnes lignes des petites, petites filles. Les petites filles de 16 ans, 14 ans. J'ai dit à mon ami américain que si tu peux, ne m'a même plus jamais dans les milieux comme ça. Hein. Mon âge ne me permet plus d'entrer dans ces gens de quartier bois de Dieu. Une petite fille danse, elle me sort la langue. J'ai dit que pardon, elle me sort la langue. Mais c'est les petites filles que, elles sont les lapés, lapés. C'est les chiquins, tu. Elle me sortait la langue à distance. J'ai dit, madre de Dieu. J'ai dit que, après que papa Bissé me suit, elle me dit, tu es belle, j'aime tes seins. J'ai dit, pardon. Oh ben, dis donc, j'ai pété un cap. J'ai dit à mon père là que ne m'a même plus jamais dans les milieux comme ça. Ce n'est pas mon milieu, ça. Ça c'est une boîte de nuit, c'est du bordel, ça. Moi, je peux pas vivre dans des endroits comme ça. Des petites filles qui sont habillées comme ça, elles dansent sur les chaises, elles se mettent sur les canapés, elles tournent les reins, elles sortent les seins, les bagues, endroits. Ça, c'est un ghetto, ça. Moi, je peux pas vivre dans des endroits comme ça. Amène-moi au Catios, tu m'amènes à la Sanza. Oui, ne m'amène pas dans les petits trous, les petits trous du quartier comme ça. Hein? Donc, nous allons parler aujourd'hui là parce que j'ai mis le courage des femmes qui dénoncent. Mais ce que je déplore, c'est que quand maman ministre, notre soeur camerounaise, elle avait son premier ici avec son mère, c'est les mêmes femmes camerounaises qui l'ont rejetée. C'est les mêmes femmes camerounaises qui étaient aux côtés de l'homme. Pourtant, maman ministre était victime. Maman ministre, mais pourquoi à ce moment-là, vous les camerounaises, là? Parce que vous choisissez les personnes qu'il faut défendre ou c'est parce que je ne sais pas. Vous êtes toujours du côté des riches. Vous n'avez pas le courage de défendre les femmes qui n'ont pas de moyens ou de visibilité. Ça veut dire que vos encroyances, c'est hypocrite pour moi.
Moi, le ministre a souffert ici, là, à cause d'un homme qu'il a aussi manipulé, qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Mais je n'ai pas vu les Camerounaises se lever et dénoncer le comportement de cet homme. Mais on prenait cet homme pour la naguer. On prenait cet homme pour la naguer. Pourtant, maman ministre vivait la même chose. Maman ministre vivait la même chose. Vous étiez où pour vous lever pour dire que non? C'est la même chose, le mensonge des hommes. Tu ne connais pas un homme. En un jour, si mes soeurs, comme c'est devenu l'affaire que tout le monde veut se marier, tout le monde va aller à la mairie. Mes soeurs, avant d'aller à la mairie avec un homme, tu ne peux pas te marier avec un homme, tu ne connais pas son adresse. Son adresse, c'est où en France? Un homme qui n'a pas d'adresse. Son adresse, c'est où en France? Même si on dit que l'amour est aveugle. L'amour ne peut pas être aveugle au point où tu ne connais pas l'adresse de ton mari. L'amour ne peut pas être aveugle où tu chagrines, même tu te maries ta belle-mère. La femme qui t'a mise au monde, qui a mis ton mari au monde, n'est pas là. Tu parles peu dans quel mariage, comme ça là. Sinon, il faut éviter ça. Même si c'est... Je vais vous dire que... Si vous n'arrivez pas à 1000, moi, je vais couper le direct. Si vous voulez insulter moi, je dis ce que j'ai dit. Je partage la douleur de toute femme que les hommes ont trompé. Je partage et j'admire le courage de ces femmes-là qui dénoncent. Parce qu'à travers leur histoire, nous allons conseiller nos soeurs de ne pas tomber dans le même piège. Alors j'admire toutes ces femmes-là qui ont le courage de dénoncer, de parler, d'ouvrir leur cœur, même si elles ont eu tort, même si on va les jeter des pierres, qu'elles acceptent ça, parce que grâce à elles, grâce à leur histoire, ça peut sauver des vies, ça peut sauver des femmes aussi qui sont dans le même cas. Donc j'applaudis ça, mais ça n'empêche pas que nous aussi, on va donner notre avis et nous allons... La femme, ça a commencé, hein. Je ne parlais même pas fort, mais elle tape déjà. Ouais. Depuis quand une Camerounaise, un homme vient faire le beau chez une Camerounaise. Tu as entendu ça, mon frère? Je vous dis que les filles qui vivent au Cameroun, là, même quand vous dites que vous venez souvent en Bain, vous rentrez ici en Bain, il y a les codes de l'eau. Quelqu'un pense ça, c'est quoi? Il est 19h, tu dors déjà? C'est quoi? C'est même quoi? Ok! Tu dors à 18h? Merde, elles sont même d'où? Elle dort à 18h. Il est 18h, elle dort déjà. C'est quoi? Va payer ta villa, dis donc. Merde. Vous êtes Kendra, bonsoir. Tu ne peux pas perdre ma propre vie. Quand toi-même, tu ne peux pas faire, aller faire le... Maman, ici, donc quand tu stables, Dieu pense au nom de quelqu'un. Depuis que je parle là, j'ai prononcé le nom de quelqu'un. Tu ne peux pas parler de ta propre vie. Tu ne connais pas ma vie. On t'a parlé de c'est une écarteuse. On t'a parlé de c'est une fille qui est ratée. Tu ne connais pas ma vie. Ma vie au niveau que tu cherches encore. Tu connais ma vie. Tu vas encore me raconter ma vie. Alors que tu connais ma vie. On a déjà tout dit. Dis-moi, si fais vous. Tu vas encore dire quoi qui est nouveau. Je veux que vous parlez. Si vous voulez, pendez-vous. Regardez-moi une jalouse comme ça. Hein? Il est 18h. Comment dire à Cognier? Elle connaît quoi? Qu'elle peut acheter sa vie là? Parce que nous voulons conseiller notre jeunesse africaine. Viviane Cassé, ma fille, bonsoir. Nous voulons conseiller nos jeunes soeurs de ne pas tomber dans le même piège, d'être vigilantes quand elles rencontrent les hommes. Tu veux me dire que tu ne peux pas parler de ma vie? Elle ne veut pas parler à la télévision. Regardez-moi les gens. On parle de Éric Zemmour, on parle de Sarkozy, on parle de Lofodja, on parle de tout le monde. Comme ça ne t'arrange pas, je ne suis pas une suiveuse. Mais s'il faut couper, je vais répandre, je vais faire des mains. Si vous ne voulez pas vous mourir, on vous dit la vérité. C'est qu'est-ce que c'est ça? Elle peut faire ça avec moi. La voisine, si vous ne me connaissez pas, qu'elle va l'entrer dans sa porte. C'est quoi? Il n'est même pas encore 19h derrière quoi. Elle connaît quoi? Il est 19h. Elle connaît quoi? Je suis en prison. C'est quoi? Elle fait pas encore. Je mets même que la musique. Merde. C'est quoi? Bon, on continue à partager. Je suis en train de vous dire que, mes soeurs, j'admire le courage des femmes qui viennent dénoncer. J'admire le courage des femmes qui n'ont pas peur de quitter les choses quand il est temps. J'admire le courage des femmes qui osent dire qu'elles se sont trompées et qu'elles peuvent recommencer leur vie à zéro. Je respecte et j'admire ça. Et je félicite même. Mais au-delà de ça, nous avons quand même nos conseils à donner et notre avis à donner pour que des mois après demain, nos jeunes sœurs qui vous suivent, qui nous suivent, ne répètent pas la même chose. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas une injustice. On sensibilise. Vous avez compris? Quand vous venez, vous les filles qui sont, vous êtes au Cameroun là. Quand vous croyez que quand vous êtes au Cameroun, vous venez, on vous donne les visas. Vous arrivez en France, vous connaissez l'Europe, vous ne connaissez pas Ben. Vous ne connaissez pas Ben. Vous êtes des mougous. Vous êtes des mougous.
Parce que c'est en bain. Il y a les spiriman. Il y a les gars qui sortent avec la malaise, Louis Vuitton tous les matins, aux Champs-Élysées. Tu crois que c'est un gars qui est milliardaire alors qu'il n'a rien. Parce qu'en France, tu peux devenir milliardaire tous les jours que tu veux. Si tu sais comment jongler, il y a toutes les possibilités de te faire passer pour un milliardaire en France. Vous avez compris? En France, il y a toutes les possibilités de te faire passer pour un milliardaire. En France, tu te lèves le matin, tu peux louer une voiture dans le tcha-tcha. Et les plus grands, c'est quand ils sont les Congolais. Les premiers enfileurs dans les magasins, hein, ce sont les Congolais. Les tchachamans sont les Congolais. Tu vous as compris? Donc, quand le Congolais, ici, en Bain, quand tu ne connais pas, on peut te faire. Parce que le gars est capable de se lever le matin, il prend l'hôtel dans le 16e arrondissement, il appelle son ami. Prends-moi un hôtel au 16e arrondissement. Une semaine, tu vas dans l'hôtel 5 étoiles, tu dis que merde! 5 étoiles, il sort le matin habillé en Louis Vuitton, du pied jusqu'à la tête. C'est le tcha. Pourquoi c'est le chinois? Il casse le malandro, il dit que yes. Toi-même, quand tu vois le gars, tu dis que mais voici un patron. Il te tape le ex, toi-même, tu dis que yes. Mais c'est façon de parler français. Et quand tu te vois que c'est un gars qui a grandi dans les cités ici, là, il parle français avec le wash, le lago des enfants de Bengsi. Toi-même, tu tombes, il te dit que j'ai garé une voiture. Là. Et quand tu ne connais pas, il prend Uber. Il te ment avec Uber, il te dit que Uber il a beaucoup de voitures, alors que Uber c'est un moyen de transport où on peut commander par c'est dans les applications. Je connais une fille que j'ai connue ici à Paris, une amie à moi. Elle est arrivée, elle m'appelait, elle m'a dit que je suis à Paris. Elle était avec son show, hein? Elle m'appelle, elle me dit qu'elle vient me prendre à la maison. On arrive là-bas chez elle, j'arrive là chez elle, tout. Elle me dit que son gars les voitures jusqu'à. C'est que ton gars les voitures. Elle dit que maman, mon gars les voitures, il a les chauffeurs. J'ai dit, hein? Il a les voitures, il a les chauffeurs. Elle me dit oui. Dès qu'on arrive, voit, c'est moi le gars qui prend le téléphone, il appelle à côté. Voit la voiture, gars, c'est le Uber. Maman Sarah, le Uber. Appelle, dit que tu as vu, le gars qui nous a déposé tout à l'heure, ce n'est pas le même chauffeur, c'est un autre chauffeur. Une gars. Elle est dans Facebook. Je ne donne pas son nom. Elle est dans Facebook, une amie à moi. Le gars, il dit que je vous jure sur la tombe de madame Bien qui est devant moi là. Je ne vous manque pas, qu'est-ce que j'ai vécu en live. Le gars dit que, ah oui, on arrive d'abord, je ne vous donne pas les commentaires, vous pouvez peut-être vous avoir les idées. Le gars de la voiture nous gagne, le gars encore dit que non, il a. Elle me dit que maman, depuis le matin, mon gars au moins plus de 5 chauffeurs, au moins plus de 10 chauffeurs, il a les voitures comme ça. Dès qu'on vient, c'est un autre chauffeur qui vient nous chercher. Justement, il a mon père que, oh Mougo, Uber. Uber, j'ai demandé que yé, j'ai regardé le gars là comme ça, j'ai regardé ses chaussures, j'ai regardé sa chemise, j'ai dit que yé, regarde mon gars, on est en train de faire l'angassique devant moi. Je ne peux pas dire, quand c'est quand il faut me dire amoureux, tu vas aller dire, va aller te trahir. J'ai dit que yé, Uber, c'était Uber. Si je mens, je vous jure, ça te me fait parent, je ne vais pas mentir devant moi. Le gars là a menti l'angala. Jusqu'à l'angala, dit que le gars là parle avec Macron. Il travaille avec Macron, il a une maison, il a pris l'appartement meublé sur les champs. Il a une maison ici, là, sur les Champs-Élysées. Je dis que quelle maison, maman, c'est les appartements meublés. L'anga est tombé dans le piège. C'est pour vous dire que quand vous arrivez en Europe, vous les filles, que quand vous venez d'arriver en Europe, demandez conseil. Vous êtes là, de dire que non, je me mélange pas avec les Africains, c'est faux. Il faut vous mélanger avec vos frères. Il faut vous mélanger avec les Africains. Je vous dis que cette fille-là est dans les réseaux sociaux. Le gars là l'a fait, je vous jure, celui-là. Je dis qu'elle peut pas mentir. Uber, elle dit que Marco, j'ai au moins plus de, depuis le matin, au moins plus de 10 chauffeurs. Mon gars, il a l'argent, il a même il a sa maison sur les Champs-Élysées. Si tu vois l'appartement, la maman, l'appartement est joli. Dit que ma soeur, quand j'ai regardé les chaussures du gars là, j'ai regardé sa chemise. Que, mais la femme, si tu as les yeux percés, regarde ses chaussures, regarde sa chemise. Alors que le gars prenait Uber. Et le gars a su que je suis à la fin que c'est Uber. Hein. Parce que la fille, elle dit que, il faut que tu accompagnes. On appelle ton chauffeur, il vient prendre le lot. Il a compris que quand il va voir plusieurs chauffeurs, je vais comprendre qu'il y a quelque chose. Il me dit que, ouais, ma soeur, c'est mieux que tu prennes un taxi parce que mon chauffeur vient, il va seulement me déposer à l'hôtel. Je dis que, quel chauffeur, maman? C'est Uber. Hein? Uber. Donc, mes chères soeurs, quand vous arrivez ici en Europe, quand vous croyez que c'est quand tu es mal, vous croyez que quand vous êtes belle, c'est que vous avez trop le savoir. Et quand une femme est déjà amoureuse, un homme peut la voir facilement. Donc faites attention, demandez des conseils. Vous n'avez pas le monopole de savoir. Vous êtes encore des mougous. Ce n'est pas peut-être parce que le monde est Android que vous nous montrez des artificiels sur les réseaux sociaux. Mais le cerveau l'a dit. Parce qu'une fille comme moi, si je donne l'argent à un homme, c'est que c'est moi qui ai voulu lui donner. Ce n'est pas peut-être parce qu'il m'a bien binda. Non, c'est parce qu'il estime que voilà son cadeau. Il m'a mis d'avoir ton cadeau pas avec. Ce n'est pas que il me. Ou peut-être parce que je veux l'acheter. Non.
Quand l'homme y a ça dans sa tête un peu, je bats l'homme là. Je te donne, par exemple, que merci pour la bina que tu m'as avec, mais il a quand même travaillé. Je peux te choquer la personne. Mais on vous dit quelque chose. Retenez ça bien aujourd'hui. Mes petites soeurs, vous avez encore, il vous manque encore beaucoup de choses à apprendre dans la vie. Un homme comme celui-là, il est venu nous raconter ce qu'il a, qu'il est milliardaire. Tout le monde parlait sur Google et qui que je suis milliardaire. Tout le monde parlait sur Google. Faire l'histoire de sa vie milliardaire. Vous avez compris? Et c'est vous les Camerounais qui avez encouragé ça. C'est vous les Camerounais qui avez glorifié cet homme. Vous l'avez mis en haut sans qu'aucun de vous ne cherche à savoir qui est cette personne. Vous ne vous êtes pas posé des questions. Vous n'avez même pas cherché à comprendre. Vous n'avez pas voulu narguer les gens comme les nous. Que tu t'es marié quand 10 ans de Djoma, on peut te marier. Maman, je vais quand même marier pour faire un but. Pour faire que. Mais quoi? Je dis que. Tu te marier quand? Qui va t'épouser? Ma écarte, raté, raté. Vous croyez que le mariage, c'est la course? C'est vous qui avez encouragé ça. Oh, le beau milliardaire. Oh, aujourd'hui, les vérités sortent. Les vérités sortent. C'était un game man. C'était un game man. Parce que le game man, quand tu as parté le direct, on ne donne pas là, Marie, nous, laisse ça, tu peux donner là ton gars. Il faut arrêter vos conneries là. On ne donne pas là. Donc, si ton gars est fort, tu peux pas ton gars. Hein? Partagez le direct. Je vais partager là sur un cas ouvert. Je vais partager aussi sur ma page. On va se dire les vérités. Si vous voulez, parlez-vous. Vous avez compris? Les fanaux là. Tu ne connais pas. Tu n'es pas épousé un homme qui a d'abord 9 enfants. Mon frère, on se marie avec un homme qui a 9 enfants. 9. Avec 5 mères différentes. 5. Hey! 5. Qu'est-ce qu'a fait l'enfant avec? Si ce n'est pas le milliard qu'on cherche sa planche, je sais quoi. Hein? Une gavale se marie avec un homme qui a 5 mouna. Mon frère, on peut faire ça avec les amours, les faux photos Vito, les faux Kadji. Parce que c'est que même si le père n'est plus l'enfant, on aura son héritage. Pourquoi on fait ça? Tu te l'amour de quoi? L'amour de quoi? Il faut arrêter vos conneries là. Il faut arrêter vos conneries là. Le fait n'a pas donné. Le fait n'a pas donné. Le fait n'a pas donné. C'est de ça qu'il s'agit. Le fait n'a pas donné. C'était deux faits man. Nya 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 you. C'est de ça qu'il s'agit. Et la preuve en est. La preuve en est. Le gars a dit, dans un essai direct, la première fois quand j'ai vu le reportage du Marette, le gars a dit que c'est une fille que j'avais d'abord draguée. Auparavant, elle n'était pas prête pour moi. Et elle m'a dit que quand tu seras prêt, je vais sortir avec toi. Analyser si vous êtes des filles intelligentes. Si un homme, tu te dragues un homme. Si tu dragues un homme, maman, on fait les procureurs sur les réseaux sociaux. Si tu dragues un homme, mais parce qu'on a peur de vous, non? On a peur de vous que si on dit que c'est mauvais, vous allez nous insulter. Parfois, on dit ce qui vous arrange. Vous avez compris? Maintenant, j'ai décidé que je ne dis plus ce qui vous arrange. J'ai dit maintenant ce que je parle. Si vous voulez vous insulter, je ne vous bloque pas. Maintenant, j'ai ma liberté de penser. Je m'exprime. Vous avez compris? Je n'ai pas peur non de personne. C'est parce que j'ai peur d'Interpol. Vous avez compris? J'ai peur d'Interpol. J'ai moi peur d'aller au Ngata. Je parle seulement que l'actualité du net. Ce qui est sûr, c'est ça. Je vous dis que une femme. À nos jours, tu ne peux pas te marier, tu te maries avec un homme qui a 10 enfants pour faire quoi avec ça? Un homme qui a 10 enfants sans adresse. Le moment que tu te maries, la femme, ta co-épouse est enceinte de 7 mois de grossesse dans une autre ville où tu rêves partir. Ce n'est pas la qualité d'amour. Hein? Quand un homme te dit que, quand l'homme te dit que j'ai dragué une femme, la femme m'a dit que elle n'est pas encore prête pour moi. Ça veut dire que quoi? Il n'avait pas encore les moyens. La première fois, tu n'as encore rien. Tu peux me draguer. Tu as quoi pour me draguer? Il fallait encore chercher là. L'homme est parti alors mettre son scénario. Il est parti mettre son fait en cours. Et quand il a vu qu'il a mis son fait en place, mais là, il s'est présenté alors devant le Mougou. Pour dire que le tout-ci, je ne suis pas celui que tu croyais là. Il a eu un petit dos. Il est venu taper le ex et ça a donné. Vous avez compris? Quand vous êtes des Mougou. Quand vous êtes des Mougou. Hein? Vous avez compris? Langa, écoutez le reportage du mariage. L'homme a dit que j'avais dragué Langasi. Langa avait dit que tu n'es pas mon niveau. Que tu n'as pas encore atteint mon niveau. Quand tu vas atteindre mon niveau, tu reviendras. Le gars est parti taper son mou. Hey, il est parti arranger son fait. Il est venu la taper le exé. Ça a pris. Oui. Oui. Ça a pris.
Le ex a pris. La rate, ça a pris. Ça a pris. Ça a pris. Le gars t'a pris son ex. Écoutez-vous même le premier reportage. Écoutez-vous le premier reportage. Le gars dit que j'ai d'abord dragué Langa. Langa avait dit que ce n'est pas mon genre de Joe. Que ce n'est pas, non, tu n'es pas encore prêt pour moi. Le gars dit, ok, comme tu parles. Le gars est parti s'est préparé pendant 3 ans. Il regardait Langa. Voici ce que Langa si aime. Le jour qu'il a eu un petit dans le diamant, il est venu taper son ex. Et quand il a tapé le ex, ça a pris. Il a dit que voilà. Maintenant, il va le m'installer. Il s'est installé. Il a mis son plan en action. C'est de ça qu'il s'agit. Ne tournons pas de midi à 14h. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu vois une femme, il y a des femmes qui. Le genre de gars-là peut, le genre de gars-là tombe amoureux de l'argent. Quand on t'amène Monaco, mon gars est parti à Monaco. On t'amène à Monaco dans un restaurant que tu n'as jamais vu au Cameroun. Le gars te sort dans l'hôtel. L'hôtel là, c'est le tcha-tcha. L'hôtel, c'est le tcha-tcha hôtel. Tu vas hôtel 5 étoiles, 6 étoiles, tu dis que merde. Dans mon appart pour la diamantaire. Il faut défier la peine, dire que oui, il y a les diamants au Congo là. Je vous fais la livraison des diamants la semaine prochaine. C'est le tapé exé. Il parle avec son ami. Il a même son ami blanc avec qui il parle. Il dit que merde. J'ai fait un diamantaire. Là, on t'amène, on t'amène à Monaco dans les 6 étoiles. Tu ne vois pas ça au Cameroun, gars. Tu ne vois même pas ça ici en Béguin. Les filles en Béguin ne voient pas ça. Tu dors dans une chambre d'hôtel. Tu dis que merde. Dans mon paradis. Et en face de toi, tu as un joli garçon, grand de taille. Le gars parle avec le feeling. Il a le style. Tu dis quoi? Tu vas tomber amoureuse. Oui. Tu vas tomber amoureuse. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu vas tomber amoureuse. L'argent appelle l'argent. Vous parlez de quoi? Si vous voulez, parlez-vous. Vous ne partez pas mon direct. Vous ne partez pas. Je vais partager. Ça va arriver 1000 personnes. Et qu'est-ce que c'est ça? Yeah! C'est ça. Vous êtes là que vous avez les longs yeux. On t'amène à Monaco. Vous allez partir à Monaco un jour. À Monaco. On t'amène dans les grands restaurants. Où il y a les maîtres chefs là. Les chefs cuisiniers. Des 5 étoiles qui ont le drapeau français partout. On dit bonjour madame. Mais mon frère, tu es au paradis. Il t'achète un sac à main lancé au tcha-tcha. Un sac à main Dior au tcha-tcha. Il t'achète un sac à main, les Louis Vuitton au tcha-tcha. Il t'offre ça. Merde, l'engagé que je suis où? Je suis où? Il a déjà fait ses petits économies, même de 10 millions. Qu'il veut récupérer l'engagé. Je vais manger son cerveau. Quand il te fait l'amour au chandail, mon frère, il t'amène dans un hôtel où il y a le jacuzzi, où c'est jacuzzi, les lumières, les parfums, toute la chambre sent seulement bon. Tu vois, c'est bon. Moi, tu crois que tu es au paradis alors que tu es sur terre. Il te fait les bisous, tu sens seulement le bon parfum. Mais de langage que non, ici, là, j'ai trouvé mon Brad Pitt. Brad Pitt, Dieu, le Brad Pitt de ça. Que vous, le Brad Pitt de ça. Le gars a mangé son cerveau comme le chiquang. Manger sa propre langue, elle n'a plus le temps de réfléchir. On réfléchit. On réfléchit. Oh oui, oui, oui. On réfléchit. On réfléchit. Tu me dis que maman, tu as mal fait de me citer. Parce que tu me disais que tu as le pas d'accord avec toi, je ne t'aurais pas bloqué. Mais comme tu me dis que j'ai maman pour rien dit, donc tu lui dis donc à qui? Je ne suis pas ta camarade et qu'on n'a pas fait les bancs ensemble. Hein. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Bon, je ne vais même pas te bloquer. L'émotion est nègre. Je dis qu'un. Quand vous les petites Niama Niama filles que vous les connaissez là, vous n'avez jamais vu la France. Vous n'avez jamais vu Mbeng. Vous voyez Mbeng à travers Facebook. Quand vous montrez que voilà Carrefour. Vous voyez Mbeng à travers les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas. Mais nous, on connaît Mbeng. Nous, on a marché avec les Féman. Côte d'Azur, là, quand tu vois là, je connais ça. Je peux vous mentir si je veux. Je peux faire le travail là que les filles font là. Je m'en vais à Côte d'Azur comme c'est l'été. Je loue un appartement dans le tcha-tcha. Dans les grâces et la canne là. Je reste là, je prends un bateau, je loue un bateau, tu vois le yacht là. J'ai mon petit Romain là, que c'est lui qui conduit le yacht, que le gars fait le sambal, était mon mari. Je tape le ex et ça vous prend correctement bien. Vous n'avez rien, vous voulez payer les affaires des bengues. Maintenant, on vous dit comment ça se passe. Comment le gars entre en matière pour faire. C'est un fait-man. L'amour et l'argent. On vous a fait où il est maintenant. Il ne faut pas déranger les gens. Hein. Vous sortez. Qui m'appelle même là? Attends, mon direct, tu as qu'à ouvrir.
Je ne sais pas si vous n'avez pas partagé sur un cœur ouvert pour voir si vous partagez les directs de la page ici. Il y a des commandes qui m'a appelé. Des commandes le pasteur supérieur partagé. Bonjour. Je vais écouter le voix de commandes après. Continuez à partager. Vous croyez que si moi, je n'ai pas appelé quelqu'un, moi, je n'ai pas envie d'aller à Konengi. Parce que vous êtes fort pour porter plein de gens à Interpol. Dès que quelqu'un fait tchak, Interpol a fait que. Il n'y a même pas assez de partage, hein, franchement. C'est... Les Lolomania, là, vous êtes où, non? Hein? Où sont les Lolomania? Où sont les Lolomania? Moi, je ne vous vois pas. Hein. Continue à partager. Moi, je ne veux pas moi aller à Konengi. Je n'appelle pas moi à quelqu'un. Pardon. Parce que pour vous, là, pour aller à Interpol, c'est trop rapide. Ne prononcez pas sur les gens. Parce qu'on arrête déjà les faux profils. Hein. On arrête déjà les faux profils. On détecte déjà les faux profils. En allant commenter là-bas, ne dites pas que le nom vous n'est pas averti. Parce que moi, je choque. On n'a même pas partagé sur ma page à cœur ouvert ici. Oh. Je partage sur à cœur ouvert et puis on y va. Bientôt à cœur ouvert sera opérationnel. Vous l'avez partagé où? Vous n'avez pas partagé. Vous ne partagez plus vraiment mes directs. Hein. C'est fatigant, quoi. À cœur ouvert, c'est ma page de l'excellence. Ma page la meilleure. Mais on va faire avec ce qu'on a là. Alors, je disais tantôt que... Attends, je continue à partager. Allô? Par rapport à quoi? Non, j'aime pas. Faut me laisser faire mon direct. Je dis ce que j'ai dit. Je suis libre de dire ce que je veux. Pourquoi? Si les gens ne sont pas d'accord, je m'en fous. Ce sont des suiveurs. Je dis ce que j'ai à dire. C'est moi qui fais mon direct, non? Alors? Si les gens ne sont pas d'accord, alors si les gens ne sont pas d'accord de ce que je dis, ça veut dire que je suis du même, ils sont du même avis que moi. Non? Chacun a sa liberté de dire ce qu'il veut. Je ne marche pas par rapport aux gens. Quand j'avais parlé l'affaire de comment on appelle l'affaire de comment on appelle la fille là, on l'appelle comment? Mamamia. Quand j'avais dénoncé l'affaire de Mamamia, c'est ça, vous étiez tous contre moi. Ma peur m'avait donné raison. C'est pas peut-être parce que là, ils sont pas d'accord. Moi, je ne marche pas selon les followers. Non. C'est que je ne suis pas une influenceuse. C'est que je ne suis pas une blogueuse. C'est vrai que je marche au rythme des followers. Non. Je dis ce que je pense. Si c'est que les gens ne sont pas d'accord, c'est leur problème. Chacun a sa liberté de penser. Donc, s'il va aller écrire mon roman, je vais penser ce que les gens m'ont dit. Je vais lire. Je vais écrire la pensée des autres. Non. C'est que je ne suis plus une artiste. Non. Je dis ce que je pense. Je donne ma liberté, je suis ma liberté de penser. Comment les gens ne sont pas d'accord? Depuis que j'écris, j'ai quand même les gens qui sont d'accord avec ce que je dis. Ce n'est pas tout le monde qui n'est pas d'accord. Comment les gens ne sont pas d'accord? Ils sont pas d'accord comment? Ils sont pas d'accord comment? Il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Comment vous dites ça? Donc, quand les gens ne sont pas d'accord, ça veut dire que les gens n'aiment pas la vérité parce que l'Africain est motif. C'est un débat. Je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord comment? Il y a ceux qui sont d'accord avec ce que je dis. Ils sont pas d'accord. Donc, comme ils ne sont pas d'accord, je dois arrêter mon direct. Mais attends, c'est que je suis plus, c'est que je suis plus d'accord, Lolo. C'est que je sais pas pourquoi je suis là. On dit bien qu'on encourage la femme qui a dénoncé. On encourage le courage de cette fille qui a eu l'intention de dire que stop. Parce qu'il y a des femmes comme ça que même si elles souffrent dans le foyer, elles vont rester là dans la souffrance. Elles auront honte de quand dira-t-on. Elles auront honte que ouais, les gens vont dire que je me suis mariée, ça fait 8 mois, je suis partie. Les gens vont se moquer de moi. Les gens vont dire que non. On admire le courage. Que cette fille ait le courage de dire que papa, je me suis trompé, je pars. Ça, c'est le moment pour ça. On dit bravo. Mais on ne va pas, ça ne va pas nous empêcher de dire à nos jeunes soeurs, nos followers qui nous suivent de faire attention.
C'est tout. On n'a pas dit qu'on insulte quelqu'un. Moi, on n'a pas insulté quelqu'un, mais chacun donne son avis. Il y a eu des erreurs. Il faut qu'on essaie de parler sur ces erreurs-là pour que ça aide les autres qui devront appeler demain. On ne soit pas d'accord que ça aide notre fille. Est-ce que ça, c'est un problème? Moi, je ne suis pas ma soeur, rythme de followers. C'est que je ne suis plus Lolo Fodja. C'est que je suis plus. C'est que je suis là pourquoi? Si les gens ne sont pas d'accord, je m'en fous d'eux. S'ils sont d'accord, ils vont rester là. S'ils ne sont pas d'accord, ils partent. Même s'ils ont là, ils m'insultent. Tout à l'heure, j'ai dit que quoi? J'ai ma liberté d'expression. Chacun est libre de dire ce qu'il veut dire de moi, mais qui ne m'insulte pas. Vous pouvez même n'être pas d'accord avec moi. Vous faites des commentaires. Ça ne va pas changer ce qui est dans ma tête. Mais vos commentaires, ceux qui viennent regarder le direct, vont commenter, vont aussi lire vos commentaires. C'est elle qui a eu débat. Je vais ouvrir le téléphone. Vous allez appeler. Chacun va donner sa part d'avis. Mais j'ai dit au départ que j'admire le courage de la femme qui a dénoncé. Parce qu'il y a des femmes ici qui meurent dans les maisons. Qui meurt de souffrance. Le mari la trompe. Le mari la tape. Le mari la séquestre. Il y a des femmes qui sont là, mais qu'elles n'ont jamais joui. Elles font la moins et ressentent aucun plaisir. Mais elles sont là. Parce que elles veulent entendre qu'elles sont mariées. Elles veulent entendre qu'elles sont avec un homme à la maison. Mais elles vivent toutes les misères du monde. Elles ont honte de parler. Même la voisine, quand on tape, elle fait. Elle ne crie même pas. Les basses. Mais admirons le courage de cette femme qui a eu le courage de parler. De se débarrasser, de dire stop, ne serait-ce que pour ça, j'ai dit chapeau. Mais, qu'à cela ne tienne, nous allons quand même mettre des petits conseils là-dessus que la prochaine fois, il ne faut pas faire comme ça parce que quand vous venez en Europe, vous ne connaissez pas Ben. Ces gars-là, ce sont les Féman. Ce sont les Féman. Et une femme doit, quand tu as déjà atteint un certain nom, un certain stade de vie, un standing de vie, cherche l'homme qui te correspond. Ne cherche pas l'homme qui a le matériel. L'amour avec le matin, ça ne marche pas. Cherche un homme que tu peux bâtir ta vie avec lui. Surtout ce genre de femme qui a déjà tout conçu. Elle a déjà tout eu. Ce genre de femme qui a déjà tout eu. Est-ce qu'elle a besoin de chercher encore un homme qui est riche? Elle peut chercher un homme qui peut l'accompagner à multiplier ses millions. Chercher un homme que ça peut dire que celui-ci, avec moi, même s'il est pauvre, il peut m'élever. Il peut m'apporter un plus dans ma richesse pour qu'on multiplie encore notre richesse. Ne pas passer sur celui qui a déjà, qui dit que j'ai, alors qu'il n'a pas. Ça, c'est un conseil. Parce que aujourd'hui, les femmes, aujourd'hui, quand tu n'es pas riche, elles ne sortent pas avec toi. Au Cameroun, c'est déjà devenu ça. Les filles au Cameroun, c'est les hommes qui ont les voitures. Les filles au Cameroun, c'est les hommes qui ont les comptes en banque. Les filles, regardez toutes les filles qui sont stars de Facebook là. Elles sont seulement les stars. Elles ne veulent pas. Avant, les Fautio Victor, les papas Fautio Victor, ils ont connu les femmes dans la pauvreté. Ils ont construit leur vie avec leurs femmes. Même si après, ils se sont remariés, les femmes les ont accompagnées, allaient prendre leur co-épouse dans la mettre dans la maison. C'est comme ça qu'on fait. Moi, aujourd'hui, je conçois ma vie avec papa Fodja. Il est maçon. Demain, quand il va devenir milliardaire, vous croyez qu'il va me laisser pour aller prendre une autre femme? Il va me dire que non, bébé, accompagne-moi pour épouser la femme-ci. Je vais l'accompagner parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas la porter et qu'il a besoin de une. Je peux dire que oui, on y va ensemble. Cherchez l'homme avec qui vous pouvez construire vos vies. Ne cherchez pas l'homme qui a déjà. Ne cherchez pas l'homme qui a déjà. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent sur ces bandits. Vous le cherchez d'ailleurs. Parce qu'une fille comme celle-là, elle a déjà tout. Elle ne manque de rien. Tu as déjà des emplis, tu as des activités un peu de partout, tu es une femme businesswoman. Il y a les étudiants au Cameroun. Il y a les gars qui sont à l'université de soi, qui sont très beaux, intelligents. Il y a des gars qui sont à l'université de Yaoundé, il y a les gars au Cameroun que tu peux prendre, tu mets à côté de toi. Tu dis que chérie, voilà ce qu'il a déjà fait étant seul. Voilà ce qu'il a déjà bâti étant seul. Joigne-toi à moi. Comme je t'aime son jeune, on peut encore rebâtir plus. Mais quand tu passes chercher celui qui te fait rêver, un menteur. Et quand les femmes disent que, et puis il faut arranger, le mari c'est le supporter. Supporter quoi? L'image qu'il est venu avec, ce n'est pas l'image qu'il a montré après, c'est un bandit. On ne se met pas avec un bandit. Arrêtez de conseiller mal les enfants, les gens. Quand c'est le père de l'enfant, c'est le premier enfant qu'elle a. Donc, elle doit aller rentrer le père du deuxième enfant, le premier enfant. C'est le premier enfant qu'elle a. Donc, il faut conseiller aux gens ce qu'on peut vous conseiller à vos maisons. Quand tu as un certain stade dans la vie, tu te mets avec un homme qui vous peut bâtir votre avenir. Ne va pas chercher, c'est des bandits. Le Congolais là, c'est un bandit. J'avais dit à ma copine au jour du mariage là que l'expérience que j'ai eue du dehors, un homme qui veut se marier avec les lunettes aux yeux, qui n'enlève jamais les lunettes, c'est un bandit. La compagnie de cet homme d'abord, la compagnie, c'est un voyou. Une maman bambine qui s'assoit, une veuve mère africaine se lève, qu'on se regarde. Elle dit non, ma fille n'est pas là-bas, c'est un danger. On a les yeux pour voir, on a les yeux pour lire. C'est un homme très dangereux. Ça se voyait même dans son regard. Toujours avec les lunettes. Toujours avec les lunettes. Toujours agité. Même pas le comportement d'un homme qui vient dans une famille. Dans une belle famille. Quand l'homme vient dans une belle famille, il est soumis. Celui-là, hein? Oh ben dis donc. Vous me parlez de quoi? C'est un bangando. J'ai dit ça.
et n'encouragez pas cette fille de rentrer là-bas, parce que c'est la méchanceté. Je vois les gens dire que oui, vraiment, c'est le papa de ton enfant. Vous avez vu le manipulateur? Il est sorti. Vous voyez, vous avez vu sa sortie? Il a dit que j'ai besoin de voir ma fille. Mais c'est un manipulateur, les suivre. C'est un manipulateur. Il veut boire. C'est aujourd'hui que tu veux voir ton enfant. Tu as 10 enfants. Voilà, mon fils, je vois les 10 avant de venir voir la 11e. Parce que il a vu la sensibilité de cette fille à travers la télévision. Il a vu que cette fille, je peux encore la voir. Cette fille, je peux encore la voir. Pour la voir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par l'enfant. C'est la sortie de gars. S'il veut voir mon enfant, n'importe quoi. Mais faut-il n'est pas stérile? Tu as au moins plus de 9 enfants. Tu peux t'occuper de tous tes enfants ailleurs. Vous avez compris? C'est un homme qui est dangereux. C'est les pervers narcissiques. Ils sont en train de tuer vos vies. Et quand vous vous constatez que, vous me dites que quoi? Non, pardon. Moi, je me marierai le jour que je serai prête. Je ne me marie pas pour vous. Je ne me marie pas pour vous faire plaisir. Je ne me marie pas parce que je veux qu'on m'appelle madame. Ma mère était madame bien. Il ne s'est pas arrivé que je ne sois pas madame un jour. Ce n'est pas grave. C'est le destin qu'il aura choisi comme ça. Vous avez compris? Donc, et quand je parle de mon direct, mes chers Lolomaniens, je suis une blogueuse, une influenceuse. Quand je donne mon point de vue, personne ne peut me dissuader parce que je suis dans ma raison. Je vous ai parlé ça pour ma mamie. Vous m'avez donné tort, vous m'avez insulté, vous m'avez lancé les pierres, mais à la fin, vous m'avez donné raison. Ce Congolais-là, je ne vais même pas l'activer le mot Congolais parce que les Congolais sont des hommes bien. Il y a certains qui sont bien. Cet homme, c'est un homme dangereux. C'est un homme qui est venu en France. Je vais vous dire quelque chose que je ne vous ai jamais dit dans les réseaux sociaux. J'ai protégé cette fille. Je vais vous montrer le message de la petite sœur de cet homme, même père et même mère, que j'ai dans mon téléphone. Sa petite sœur est partie en Espagne, volée. Je dis bien volée. Elle a volé. Mais le jour que j'ai appelé, elle dit que, mais, ma chérie, c'était 2 jours avant le mariage. 2 jours avant le mariage. J'ai une jeune fille qui est dans mon inbox. Elle me dit, tata, le bonjour. Je dis bonjour. Elle dit, j'ai un gros problème. Je dis, c'est quoi? Elle m'explique que ta soeur camerounaise qui se marie là, son mari me doit de l'argent. Je dis, te donne l'argent comment? Je dis, quelle soeur? Elle me donne le nom. Elle me dit, sa petite soeur me donne de l'argent, son mari me donne de l'argent. Je suis curieuse. Je dis, bon, on développe. J'ai encore les écrits. Elle me dit que son mari vivait en Espagne. À l'époque, avec une femme ivoirienne. Avec 3 enfants. Alors, ils sont venus louer un appartement. Ils sont venus louer un appartement en Espagne. Et comme cette fille, elle fait dans l'immobilier. Elle est agent immobilier, quoi. Donc, elle fait dans l'immobilier, elle est agent immobilier. Alors, c'est comme ça qu'elle a contacté le monsieur. Le monsieur l'a contacté. Elle a créé une amitié avec le monsieur. Donc, à chaque fois que le monsieur venait en Espagne, à Valence, c'est elle qui trouvait les appartements à ce monsieur-là. Elle a trouvé un appartement à ce monsieur où le monsieur payait 6 000 euros chaque mois. Je vous dis, hein. 6 000 euros chaque mois. Alors, c'est comme ça qu'il verrait sa femme ivoirienne avec 3 enfants. À un moment donné, il n'allait pas payer la caution. On appelle encore quoi là? Le truc de démarches là. Où c'est combien il devait payer? En partie, il n'a même pas fini de payer le loyer. Alors, un jour, elle passe chez le monsieur. Elle arrive chez le monsieur, elle trouve le monsieur à la maison avec sa femme. Sa petite soeur qui vient de Paris est là. Elle, alors, pendant qu'ils sont en train de discuter, ils se sont déjà familiarisés. Ils sont en train de discuter. Elle laisse maintenant pendant qu'elle parlait, après un moment, elle a eu un coup de fil. Directement, elle est partie, comme elle avait 2 sacs à main. Elle a laissé son sac à main, elle a pris son sac de travail. Elle est partie, elle allait à son rendez-vous. Quand elle arrive, elle se rend compte que, elle a oublié son sac chez le mari de l'autre. Elle appelle le mari de l'autre. Elle dit au mari de l'autre que j'ai oublié mon sac chez toi. Le mari de l'autre dit que oui, viens prendre ton sac. Elle finit ce qu'elle avait à faire. Elle retourne là-bas. Elle arrive maintenant au restaurant. Elle prend son sac. Elle ne cesse pas à fouiller. Elle arrive au restaurant. Elle se rend compte que sa banque l'envoie un message. Quand vous venez d'acheter l'étude de 500 euros à AliExpress. Moi, je ne parle pas de mensonge. Pour une fois, je vais vous montrer ça. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui expose les gens à les réseaux. Ce n'est pas mon délire, quoi. C'est pas mon délire. Et j'ai dit à cette fille que moi je n'aime pas le sabotage. Si tu dis la vérité,
écris à cet homme. Quand tu as besoin de ton argent, parce que tu ne peux pas aller sur Facebook salir un monsieur qui va en train de se marier. C'est méchant, ce n'est pas bien. Il faut laisser vivre leur amour. Ça sera méchant. Pour moi, le conseil que je peux te donner, que de venir le salir sur la toile, hein. Pas écrit à ce monsieur, dis-lui ce que tu as lui dit, et vous allez discuter, et maintenant tu m'envoies la capture. Elle m'a envoyé la capture. Bon, je vais vous épargner. Je vais juste vous montrer pour montrer que je ne mens pas. Voici ça ici. Voici les papiers du tribunal où la sœur du mari de l'autre a été condamnée en Espagne. Elle a été condamnée de payer 2000 euros en Espagne. Voici les papiers ici. Elle s'appelle le prénom. Je vais vous dire, la, je ne sais pas lire en espagnol. Elle parle de Valbona, Valencia. C'est en Espagne. Bon, la fille s'appelle... je ne sais pas si je dois donner son nom parce que... Il y a son adresse ici. L'adresse de la personne qui avait volé. Elle a volé. Voilà. Voici l'adresse ici. Voilà. Voici le nom du mari de l'autre qui est dans la plainte. Voici ça. Mais après, on ne va pas m'arrêter, mon frère. Voici ça. Voilà. Maman, voici ça. Comment il peut vous faire voir ça? Oh. Voici la plainte. Je mens. Voici la plainte ici. Voici la plainte. Ça a été signé en Espagne. Comment on fait pour vous montrer même ça? Bon, je vais changer un peu. Je vais... Donc, moi, je mens. Donc, je mens. Ben, vous me prenez comme une idiote ou quoi? Bon, je vais vous faire écouter les voices. Vous allez voir la voix de la personne. Je n'ai pas besoin de mentir. Voici la petite sœur de l'autre. Voici la petite sœur de l'autre. Si même il voit le direct, il saura ce qu'elle dit la vérité. Voici la petite sœur de l'autre. Voici la petite sœur, même père, même mère. Et je vais vous montrer où je l'avais écrit. Je vais vous montrer où je l'avais écrit à la fille ici. Pourquoi les tous? Moi, je ne parle pas tout sur Facebook. Hein. Je n'ai pas besoin de parler tout sur Facebook. Voici le message qu'on avait envoyé. Chère Cécile, je viens d'apprendre concernant les accusations calomnieuses à mon endroit sur un délit d'utilisation frauduleuse de la carte bancaire. Ça, c'est elle qui reprend en tant. Oh, peut-être que c'est l'anglais qui a dit que... Voilà la conversation. Désolé, je vais attendre. Voilà. Bonjour. Ça, 1100 euros, c'est quoi ça? C'est pas la somme, c'est quoi? Tu as fini les achats, tu as fait les achats avec ma carte, c'est 100 euros. Oh, ça c'est le smi. Oh, vous l'appelez ça comment? Voilà ça. Voilà la conversation. Comme vous aimez souvent dire que les gens mentent. Voilà la conversation. Voilà la conversation. C'est pour vous dire que il y a des choses que nous. Voici le numéro de l'Angala. Voici le numéro de l'Anga. Elle m'avait même bloqué. Hein. Parce qu'elle avait coché mal. Mais c'est comme si elle m'avait bloqué. Ça, c'est le numéro de qui ici? C'est pour vous dire qu'il y a des choses que. J'ai, mais je ne suis pas le sujet des filles qui salit. Je n'aime pas salir les gens. Ça, voici le numéro que j'ai. On m'avait tout donné. J'avais tout dans mes mains. Vous comprenez? C'est pour vous dire. C'est la voix de qui ici? Oh. Pourquoi ça? C'est pour vous dire que
Il y a des choses que moi, Lolo, j'ai, mais je ne montre pas aux gens. Parce que je préfère protéger la vie des gens. Je n'aime pas exposer les gens. Je pourrais bien utiliser ça pour faire du n'importe quoi avec. Mais pourquoi la voix ne sort pas, non, dit-on. Oh. Je vais vous montrer. J'aime beaucoup. C'est ça. Tout ça, c'est ça. Hein. C'est pour vous dire qu'il y a des choses que moi, je peux utiliser. Mais ça me sert à quoi de venir gâter la vie des gens sur les réseaux sociaux? Venir raconter ceci, venir raconter tout ça. Tu gagnes quoi en faisant ça, quoi? Tu gagnes rien. Tu gagnes rien. Au contraire, tu deviens. Tu l'as pour nuire aux gens. Mais je regarde, je ne dis rien. Je dis, ah, chacun est responsable de ses actes. Hein. À chacun sa merde. Voilà ça. Les messages vont vous montrer le message. Elle ne m'a pas fait le vivement. Agresse-le un peu. Voici son numéro. Le numéro de la fille. C'était le 8 avril 2021. Voici les photos que le mari envoie. Que s'il te plaît. Je suis en train de me marier. Voici ça. Voici ça ici. Que le gars envoie la fille. Et la fille me renvoie. Voilà ça. Hein? Parce que j'avais dit à la fille que non. Je préfère le dialogue. C'est pas bien de faire du mal aux gens. Essayez de dialoguer. Voici. Essayez de dialoguer. Ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Et voilà. Si tu as un problème d'argent, tu seras remboursé. Ça ne sert à rien de vous mettre en spectacle, quoi. Moi, je trouve que c'est pas bien. Écris à la personne. Et la personne va te répondre. Et la personne a répondu. Je vais vous montrer la réponse. Je vais vous montrer la réponse. Pour vous dire que moi, j'ai ça. Il y a un an aujourd'hui. Mais je n'ai jamais fait, je n'ai jamais montré ça à quelqu'un. Voici la sœur de l'autre. La voici ici. Pardon, ma vie m'arrêter, j'avais la police. Pardon. Vraiment. Voilà. Voilà, voici la réponse, non. Je vais juste vous montrer la réponse que la fille, quand j'ai donné le conseil à la fille. Voilà ça, non? La réponse. C'est pour vous dire qu'il y a des choses que moi, je n'aime pas le mal. Je n'aime pas le mal parce que dans la vie, quand tu fais du mal aux gens, tôt ou tard, ça te rattrape. Ça te rattrape. La fille, le gars a pris l'argent de cette fille. Près de 20 000 euros, il n'a jamais remboursé. Le gars, c'était un businessman. Ça veut dire que ça peut tomber aujourd'hui, mais ça ne tombe pas. Donc, mes chers, c'est quand vous rencontrez ce genre d'hommes, le seul conseil que peut donner une femme, ici, là, quand tu as un certain standing de vie, hein, ne cherche pas toujours l'homme qui a comme toi. Prends même un homme qui se debout ensemble pour faire des choses. Cet homme-ci, il a su que la fille qu'il avait en face de lui, c'est une femme qui aime le luxe. C'est une femme qui aime le... qui veut les trucs grandieux. Alors je vais la blaser avec. Il a réussi. Quand il a eu son petit agent, il a mis le paquet pour avoir sa proie. Une fois qu'il a eu sa proie, tu sais, la plupart de ces hommes-là, il a beaucoup de conquêtes. Il a beaucoup de conquêtes. Il opère comment? Il met ses conquêtes en concurrence. C'est comme ça qu'il fonctionne. Quand tu vois un homme qui est infidèle là, il met les conquêtes en concurrence. Ça veut dire que, comme notre sœur, elle a la popularité. Elle est plus star plus que toutes ces femmes-là. Et maintenant, il joue avec elle psychologiquement. Il réussit déjà à la prendre. Elle est déjà amoureuse. Il a déjà montré le bing-bing. Il sait que ben, derrière ça, maintenant, après le game, va s'installer. Il n'aura plus rien parce que tout ce qu'il avait, il a déjà dépensé pour l'avoir. Et maintenant, il faut la suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il commence maintenant à montrer, à faire de mettre ses concubines en rivalité. C'est-à-dire qu'il y a maintenant concurrence. Les femmes font la concurrence là-bas. Les femmes, nous, ça l'arrange. Parce qu'au milieu de ça, notre soeur s'est déjà présentée avec le gars. Et parce que les filles qu'il a en face, c'est pas n'importe quelle fille. C'est aussi les belles filles. Alors, notre soeur s'est déjà présentée avec le gars. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais tout faire pour l'épouser. Parce que d'autres, il a doté. Il a fiancé. Mais il n'a jamais épousé. Mais moi, je vais tout faire. Même s'il faut mettre même mes dos dedans. Je vais mettre mes dos. Peut-être après, comme c'est un homme d'affaires, il y aura l'argent après. Le gars maintenant met les gars en concurrence. Et maintenant, notre reste tombe dans le fait. Elle tombe dans le fait parce que il y a une autre gars qui est belle là-bas. L'autre gars qui est belle, on dit souvent que non, reste tranquille. Celle-là, elle a les dos. Elle est au co, elle a les maisons, elle a ceci, elle a cela. Et derrière, elle n'a pas à voir. Donc tout le monde entre dans le fait. Tout le monde entre dans le fait. Parce que tu sais, quand un homme est infidèle, il aime mettre les femmes en concurrence. Il aime bien que ses copines, les coépouses se battent entre elles. Elle se dispute, il aime ça. Il aime être au centre des femmes là.
Donc il s'accapare de les pensées, les idées. Donc elle ne vit que pour lui. Et ça permet de. Lui, ça lui permet d'opérer entre ces femmes-là. Il les met en concurrence. C'est ce qu'il a fait. Et maintenant, l'intérêt, c'est maintenant pour avoir l'homme pour elle-même. Elle a dit que la terre va vous montrer. Et elle va m'arrêter avec lui. Et pour se m'arrêter avec le Joe n'a pas les dos. Parce que les dos qu'il avait déjà mis pour le paquet, pour la séduire. Parce qu'il y a quelques années, tu as dit que tu n'es pas à mon niveau. Tu n'es pas à mon niveau. Quand tu seras prêt, reviens. Quand le gars, il est dos, il est revenu avec les petits dos qu'il avait. Que je suis déjà prêt. L'anglais est tombé. Parce qu'il avait l'argent. Parce qu'il avait les moyens pour la séduire. Il avait les moyens pour la mettre dans les yachts. Pour la faire prendre les avions, en avions privés. Et tout ça là. Donc le gars est tombé dans le modèle. La fille est tombée. Je vais vous dire quelque chose que une femme peut tomber amoureuse à cause de l'argent. L'homme peut te faire l'aimer avec l'argent. La gars est tombée amoureuse. Et quand il est tombé amoureux, il a mis en rivalité avec ses rivales. C'est devenu maintenant une guerre. Vous avez vu ça? Vous avez vécu ça sur WhatsApp? Vous avez vécu ça sur WhatsApp? Sur Snapchat, on a vu les guerres entre les femmes là. Nous avons vu les guerres. Il y a fait qui jurait qu'il ne va jamais t'épouser. Il y a des gens que tu ne vas jamais te marier avec lui, on va voir. C'est devenu une concurrente. C'est ça, un gigolo. Un gigolo professionnel, c'est comme ça qu'ils opèrent. Il vous met en concurrence. Il met les femmes là, il dit que maman, celle-là voulait m'épouser. Donc, ça devient une guerre entre les femmes. Et chacune veut gagner. Allô? Oui, mais je suis en train de parler, ma chérie. J'ai pas encore fini. Ok. Bimba, tu me mets une. Parce que, comment? Je demande, hein? Mais madame, il n'est pas quand même 20h. Il est que 18h. Mais il est quelle heure? Vous dormez à 20h? Écoutez-moi, vous dormez à 20h? Non, mais attends, vous n'avez pas le droit de parler quand même, hein? On peut quand même parler chez nous. Oui, si elle a fait l'heure, on va. Mais on va faire la police de là. Allez, fais maintenant. Eh ben on s'en fout, dis donc. On dit pas. Vous dites à qui? Vous ne faites pas ça. D'accord? Vous ne m'insultez pas. Tu ne dis pas comme ça. Vous vous excusez ou pas? Vous ne me dites pas comme ça. Vous vous excusez ou pas? Vous vous excusez pas? Et vous vous excusez, parce que je suis dans ma maison, mais vous nous saoulez tout le temps. Toute la journée. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Et tu ne me dis plus ça, d'accord? Tu me dis plus ça. Tu me dis plus ça. Je ne vous ai plus dit. Et vous savez quoi? On ne sait pas. La voisine de tu te plains. Et vous savez quoi? Et bah, tu es la jeune fille. Tu vas dégager. Pourquoi tu es propriétaire ici? Tu es propriétaire. Tu es propriétaire. Tu es propriétaire ici. Tu es propriétaire ici. Et ça fait quoi? Tu veux pas acheter une maison? Tu veux parler moi ici chez moi? Tu veux pas être chez moi? Il faut faire attention. Hein. Respect des gens. Il est quelle heure? Et alors? Allez, je vais mettre dehors. Tu parles. Tu parles. Madame, allez, allez. Allez, une chienne. Hé, hey, il est quelle heure? Elle vient courir, je l'ai poussé là-bas aux escaliers. Hein. Boum! Il est quelle heure? Tous les mecs, on peut plus vivre la paix. Je l'ai poussé là-bas. Hein. Alors? Ah, c'est son problème, gars. Hein? J'ai dit que j'ai poussé la femme là. Boum! Quand elle dit encore, merde. Bon, moi je vous marche, attends, finalement le direct. Alors, il vous disait que ça c'est le motion. On appelle ça le fait. Ils mettent les femmes en concurrence. Elles commencent à faire la concurrence entre elles. Donc là, ils profitent maintenant pour avoir ses poids.
Donc, les filles ont commencé à se chamailler dans les réseaux sociaux. L'autre dit qu'il ne veut jamais l'épouser. Les photos sont passées. Les Ivoiriens qui ont fait des directs pour dire qu'il a été là-bas avec une Ivoirienne. Il ne sera pas avec toi. Donc, il a créé une concurrence entre cette femme-là. Et c'est là où il s'est installé pour avoir sa poids. Alors, notre c'est parce qu'elle est l'influenceuse. Elle, c'est elle qui est plus star que toutes ces femmes-là. On ne le connaît pas. On connaît ces femmes-là à travers elle. Donc, maintenant, elle a utilisé sa notoriété et ses followers pour avoir l'homme. Parce que l'homme, quelque part, il la suit plus parce que, elle a la popularité. Elle est une influenceuse connue mondialement et même dans son pays. Derrière ça, il y a des affaires qu'il peut gagner. C'est un fémin, c'est un homme d'affaires. Derrière ça, il peut avoir les numéros qu'il peut aussi faire taper ses ex même étant au pays. C'est une femme que derrière cette femme-là, il peut gagner, il a plus à gagner derrière elle que derrière les autres. Alors, il préfère elle, parce que elle pèse lourd par rapport à ce qui, les autres, là, c'est les filles qui n'ont jamais rien eu. Au contraire, c'est quand lui fait ce business qu'il a un peu, il leur donne. Alors que celle qui vient d'avoir là, elle derrière, elle a déjà battu l'empire. Elle est assise. Dans son pays, le Cameroun, elle fréquente les hautes personnalités, les ministres, les ceci, les cela. Alors, pourquoi ne pas avoir celle-ci? Je préfère celle-ci. Mais il faut qu'elle tombe dans mon piège. Il faut qu'elle tombe dans mon piège. Il réussit à la détourner, il commence à manger son cerveau, il commence à manger son cerveau. L'engamena, c'est dit que le gars, elle peut avoir regardé la biographie. Maman est diamantée. C'est-à-dire que s'il n'a pas les affaires aujourd'hui, les affaires peuvent me donner demain. Parce que lui, il fait comprendre à quelqu'un, peut-être en ce moment, le diamant ne donne pas, les affaires sont un peu en stand-by. Peut-être, dans les jours à venir, mes partenaires peuvent saigner. Alors, si toi, tu mets de l'argent dans quelque chose, on va remplacer ça quand il y aura le, quand ça va arriver. Quand le business va donner. Alors, l'engamelage dans le dème, elle prend confiance. Donc, maintenant, pour montrer au gars là que je peux, c'est que je peux réussir où vous avez échoué. Le gars au Cameroun, on voit tout ce qu'on a vu là. On voit tout ce qu'on a vu là. Hein? C'est facile à comprendre. On voit tout ce qu'on a vu. Et maintenant, quand c'est maintenant, il y a le marais. Mais l'anga se rend compte que depuis là, il n'y a pas les dos. Depuis là, l'argent ne vient pas. Hein? Depuis là, je ne vois pas ce qu'on m'avait dit que j'aurais. Depuis là, il n'y a pas vraiment, il y a quelque chose qui manque. Je devais go bon en ben. La fait que go ya go bon maintenant, mais là où tu l'encasse là, c'est comment? Ça commence à check dans la tête de l'anga. Ça commence à check dans la tête de l'anga. L'anga dit qu'il y a un problème. L'anga bon, on a vu l'audio là combien de fois au cours? Depuis un an, on a vu combien de fois? Hein? On a vu l'audio là combien de fois? Depuis un an. L'anga commence à checker mes deux. Je devais bon en bain. L'audio même peut-être avait dit qu'il y avait l'adresse. Quand tu parles, le gars, il n'a pas l'adresse. Son adresse, c'est sa Rémé. À Oné. Le gars n'a pas l'adresse. L'adresse, c'est sa Rémé. À Oné. Tu vas te marier quelqu'un qui n'a pas l'adresse. Le gars n'a pas l'adresse. Quand l'anga se rend compte là que maintenant il faut même changer les paroles du marais et tout, on fait comment? Hein? On fait comment? Le gars maintenant a compris qu'il a déjà pris sa mougou. Elle est déjà dedans, il se dit peut-être que bon, comme c'est une influenceuse et c'est une gars qui est mondialement connue, même comme il a déjà marais, elle ne peut pas avoir le courage de venir dire que le marais est fini parce que les gens vont se moquer d'elle. Ils ne notent pas que c'est une fille aussi qui est guerrière, qu'une fille aussi qu'elle n'a pas honte, que quand elle veut taper ça, qu'elle tape sec. Il est sûr qu'il a déjà réussi à l'avoir. Elle ne peut pas mettre ça au marché. Parce qu'elle met ça au marché, les gens vont se moquer d'elle. Et donc il sait qu'il est sûr à 100% qu'elle va seulement cacher ça, que non. Et je vais tout montrer quand je suis avec mon mari. Sans aucun, il a affaire à une Camerounaise. Que c'est une white tête. Que c'est une tête brûlée. Qu'à tout moment, elle peut dire que ça bolle, ça sort comme ça sort. Donc le gars est sûr qu'il a réussi à avoir l'anga. Même si l'anga voit comment, elle ne va rien dire. Parce que elle va soigner, il y a son image qu'elle doit préserver. Il y a les gens qui vont dire que non, on va se moquer de ses copines. Il est sûr à 100% que la fille ne va jamais rien dire. C'était mal sans compter sur l'anga là. Il continue. Quand l'anga voit maintenant que mon frère, hein,
Pedro m'avait dit que si quelqu'un a le Kaolo, quelqu'un qui n'est pas français, il a le Kaolo de 10 ans. Pour faire un regroupement familial en France, quand tu as le Kaolo de 10 ans, il faut au moins avoir une adresse. Il faut au moins avoir un travail. Mais quand j'étais seul, je pouvais me voyager comme je voulais. Je faisais moi le tour du monde. Maintenant que je suis venu me marier avec la personne, si je suis couru à la maison tous les jours, je ne peux plus faire mes voyages, je ne peux plus aller me dire, à quoi sert alors cette relation-ci? Le mensonge était dedans. La vie qui avait dit qu'on m'avait promis les millions, que quand les affaires vont donner, les millions ne viennent jamais. J'ai fait comment avec ce genre de personnes? À un moment, la femme dit que non. C'est là que je reviens pour vous dire que j'admire son courage. J'admire le fait qu'elle a dit que je ne peux pas cacher ce secret. Je vais parler. Elle a dit, je ne cache pas. Elle agit comme une fille que bon, je me mets face à mes ennemis. Je me mets face à même aux moqueries. Je me mets face aux insultes. Mais pour ma liberté, je me fais mettre terme à cette relation-ci. Ça, j'admire ça. Parce qu'il y a d'autres filles, elles n'ont pas. Il y a des filles qui vont les cacher. Elles vont dire que maman, pardon, on va se moquer de moi. Les gens vont dire, après que le mariage de 8 mois a fini. Oh, machin. Mais cette fille a eu le courage de venir le faire en public devant les gens parce qu'elle souffrait. Elle a souffert dans le mensonge. L'homme lui a fait rêver. Son mariage de rêve. La vie de rêve qu'elle rêvait vivre. Avec un prince. Un roi. Qui est dans un royaume. Qui a de l'argent. Qui a une belle vie. Une vie de luxe. Mais à sa grande surprise, elle se rend compte qu'elle a marié un féman. Un tchatchaman. Les hommes qui passent s'asseoir aux Champs-Élysées. À 4. Le matin à 8, 9, 10 heures. Ils sont déjà là dehors. Avec les gros costumes. Ils marchent de côté sur les Champs-Élysées. Ils s'assoient comme les patrons. Ils boivent que le petit café. Ils comprennent comme les whites, comme les milliardaires. Alors qu'ils n'ont rien. C'est ça qu'elle allait épouser. Elle dit que, wow, je vais faire comment? Alors elle est courageuse. Elle est venue dire que, maman, moi, me retour aussi, hein, ça m'a pris. Je m'avais fait, j'ai déposé le bagage et c'est continué ma route. Et ça, c'est que j'admirais. Ne venez pas nous dire ça que non, on ne peut pas parler. Non. Donc, c'est ce que veut dire qu'on fait que mariez-vous par amour. Quand vous avez atteint un certain stade de vie, quand vous avez votre argent, vous avez peut-être conçu vos vies et que vous voulez un partenaire, prenez le temps de choisir. Ne choisissez pas par rapport au matériel ou la vie de luxe. Même l'homme que tu prends, même le bensiquinaire que tu prends, tu peux construire ta vie avec un bensiquinaire. Et tu deviens ce que tu deviens une femme. Ne cherchez pas toujours l'homme qu'il va te faire rêver. Parfois, c'est des menteurs. C'est une fille qui est très courageuse. Mais son côté qui est beau, c'est une fille qui est prêt. Donc, elle est très courageuse. Cet homme-là, vu l'eau, il a compris que non, on ne peut pas s'amuser avec cette femme-là. Donc, elle se voit déjà aussi première dame. Il y a aussi qu'on avait dit que c'est un homme qui a posé sa candidature en tant que président, la candidature au présidentiel au Congo Brazzaville. Tout ça, ça blase les femmes. Même si toi, ça ne va pas te blaser. Toi qui parles là, ça ne va pas te blaser. Même si c'est moi, ça va me blaser. Tu passes sur Google, tu tapes le nom du gars, on dit que c'est un multipia diamantaire, le diamantaire fait que. Qui va voir la question, elle va laisser. Maman, les filles qui ont les longs aujourd'hui, elles vont courir. C'est ça. Et c'est là que la fille s'est rendue compte qu'elle est tombée dans un piège. Elle avait les doutes dans ses dires. Elle dit que j'avais des doutes. Mais j'hésitais. Elle hésitait pourquoi? Parce que le gars avait mis ses anciennes copines en concurrence avec elle. Ce qui fait qu'elle n'avait plus la place pour réfléchir. Elle voulait seulement prendre cette place-là que où vous avez échoué, moi je vais réussir. Il leur a cogné les têtes. Il leur a mis en concurrence. Donc même quand les doutes venaient, il réussissait à la rassurer que non, c'est là Lisa parce qu'elle est jalouse comme c'est toi que j'aime. Machin. Il a réussi à les manipuler. Et aujourd'hui, elle s'est retrouvée. Je vais dire la vérité. Voilà. C'était un bandit. Dis-nous la vérité que c'était un bandit. Que deux femmes se sont rencontrées. Ça n'a pas marché. Elle est tombée amoureuse du luxe. Il y a des femmes qui tombent amoureuses du luxe. Oui, elle tombe amoureuse du luxe. Vous parlez de quoi? Tombe amoureuse du luxe. Et l'amour est entré en vrai. L'amour s'est installé. Parce qu'il y avait le luxe. Et maintenant, au moment donné que tu dis que mais le luxe qu'elle vit avec, je ne vois plus ça. Je n'ai pas bon en France, mon frère. Tu es une gars qui devait bon en Belgique, même aux États-Unis. Tu es un bail bon sur les cassettes. Hein? Mais je veux quoi avec ce genre d'homme-là? Et un homme qui traîne dans les médias sur Facebook, l'homme-là ne veut pas divorcer parce qu'il veut la Starmania. L'homme-là ne veut pas divorcer parce qu'il veut un nom derrière cette fille. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas divorcer parce que derrière cette fille, il est populaire, on parle de lui. C'est un dangereux. Et quand je vois les femmes venir écrire que, ouais, ma soeur, ne divorce pas. Vraiment, il y a des problèmes dans tous les couples. Quel couple? Son adresse est où? Son adresse c'est où? Vous demandez une femme ne pas divorcer avec un homme. Un homme qui dort partout en route. Un Nangaboko. Il a la salle. Son adresse c'est où en France?
Un homme qui a 40 ans, il dort chez sa mère. Son adresse, c'est où? Dans les maisons des femmes, dans les poufs, dans les maisons, les maisons closes à Pigalle. Sa maison, c'est où? Il dort où? Quand vous dites que non, il ne faut pas divorcer, il dort où? Vous venez induire la fille de tuer dans les erreurs. Oh non, dans tous les couples, il y a... Quel couple? Elle va aller s'installer chez qui? Hein? Elle va aller s'installer chez qui? Vous avez d'abord divorcé, qu'ils ont d'abord commencé le mariage là quand? Hein? Ils ont eu l'adresse à un même nom depuis quand? C'est sur le papier qu'on a vu qu'ils ont le même nom. Mais sur l'adresse, sur une maison, vous avez vu leur nom un jour. Hein? Vous avez vu leur nom. Le mariage, c'est la chance. C'est tous les petits mots de consolation. On appelle ça les mots de consolation. Les mots de consolation. Le mariage, c'est la chance. Mais ça n'exclut pas qu'il faut réfléchir avant de se marier. Marier. Le mariage, c'est la chance. Quel mariage, c'est la chance? Ça n'exclut qu'il faut y réfléchir. Cet homme, c'est un féman. C'est un bandit. Il est à la maison où? Il faut les filles que vraiment reprend ton mari. Quel mari? Il dort où? Pourquoi pas les berger dans sa maison? La main que notre homme a conçue. Tu as vu un milliardaire qui donne la maison de notre homme? Il y a des petits trucs quand il dit que mais ça c'est quoi ça? Un milliardaire qui fait la femme fait le dire, les délivres. C'est le dire de quoi? La fille a eu le courage parce qu'il y a milliers, il y a des milliers parmi vous qui vivent le même cas, mais vous avez honte de parler. Et les jeunes filles aujourd'hui là, quand tu peux au Cameroun, toutes ces jeunes filles là veulent les hommes qui ont l'argent. Elles veulent les hommes qui ont les voitures. Elles ont des ambitions. Elles sont propriétaires des salons de coiffure. Elles sont propriétaires des snack bar Yaoundé, des salons de coiffure, des machins cosmétiques, machins, parce qu'elles ont les longs yeux. Ce que vous cherchez dehors là, votre soeur l'a loupé. Le tout c'est de tomber sur un féman. Vous allez tomber sur les gangs, les hommes qui se transforment en serpents la nuit. C'est moi qui vous dis. Vous avez compris? Vous allez tomber sur les hommes qui se transforment en serpents la nuit. Ils vont vous manger vivant. Quand vous avez les longs yeux, vous avez la grande vie. Vous avez la vie de luxe. La vie de luxe, ça va vous caler au cou. Non, c'est préféré. Hein? J'ai vieilli. Même quand j'étais là, tu vieillis, tu as quoi? Je n'ai rien, mais je suis debout. Je peux mettre mon mec comme il m'avait là, on me drague. Vous avez compris? Vous aurez même mon âge. Hein? Vous allez attendre mon âge. Vous avez les longs yeux. Elles sont au camou là-bas. Je dis qu'elles portent les collants moulants. Les habits collants, on voit toutes leurs formes pour charmer les hommes dans les bars. Pour charmer les hommes dans les bars. Elle veut la grande vie. Toutes les filles au Cameroun ont la voiture. Maman, avant qu'on va me le permis au Cameroun, c'était tout un problème. Elles ont des petites voitures. Parce qu'elles partent dans les tchétis, djangui. Elles sont avec tête au mari. C'est elles qui sont les hommes mariés. Faites attention. Faites attention. Faites attention. C'est que vous cherchez dehors, là, vous allez trouver. Vous allez rencontrer les mamies à ta. Vous allez rencontrer les gens qui vont vous amener dans les cimetières. Continuez, vous allez voir. Vous avez les longs yeux. La jeunesse d'aujourd'hui, vous ne dormez pas. Vous avez les yeux sur la vie des gens. Voilà votre soeur. Elle est partie, elle avait tout. Elle est partie rencontrer un féman. Un féman congolais. Et les Congolais sont forts pour séduire les femmes. Le Congolais, c'est l'homme le plus romantique du monde. Quand tu tombes sur un Congolais, merde. Tu veux dire, il va te faire vivre l'amour que tu n'as jamais vécu dans ta vie un jour. Le Congolais connaît de la valeur, il connaît valoriser une femme. Il te met en haut comme le RDP. Il te met en... Maman, les mamans, les chéris, il te lave le matin, il te lave le soir. Il te donne la nourriture au lit. Il te chante les chansons d'amour en Lingala. Tu sais quand la musique Lingala, quand on te chante les chansons d'amour en Lingala, ça pénètre dans ton cerveau. Les Congolais sont puissants dans le gigolotisme. Mais le fait a donné. Parce que tu ne peux pas comprendre moi une femme. Tu parlais de mettre avec un homme qui a 10 enfants, 10 mounas, avec 5 mères différents. Mon frère, ça n'a pas fermé tes yeux. C'est quelle qualité de qualité des choses comme ça? Quel genre d'amour? 10. Il a 10. Et regarde comment il se comporte. Il nague l'anga sur les réseaux sociaux. Et dès qu'il a vu l'anga pleurer, il m'a dit que vraiment, je suis désolé de t'avoir fait du mal. Un pervers narcissique, un homme dangereux pour la société. Cette femme doit divorcer sans. C'est-à-dire que. Pourquoi tu veux me divorcer? Je demande, hein? Pourquoi même divorcer en France? Tu n'as pas besoin de venir divorcer en France. Tu t'es marié au Cameroun, non? Est-ce qu'il y a eu la transcription d'acte de mariage? Je ne comprends pas votre divorce, qu'on veut divorcer en France. René Salélie, bonsoir. On veut divorcer en France comment? Il y a eu transcription d'acte de mariage. S'il n'y a pas eu transcription d'acte de mariage, c'est un mariage qui sera annulé au Cameroun, vite fait, bien fait. Parce qu'il n'a pas consommé ce mariage. Je n'ai pas vu cet homme-là faire 3 voyages au Cameroun pendant un an. Il n'a pas consommé ce mariage-là. C'est un mariage qui doit se prononcer. Un divorce sans réfléchir. On déchire les bêtises, on passe à autre chose. Pourquoi on va saisir le tribunal de Paris? Parce qu'il n'y a pas eu transcription du mariage. Et même s'il y a eu transcription, vous divorcez, vous êtes mariés.
C'est au Cameroun. Et le Cameroun envoie maintenant la grosse en France pour que ça soit appliqué. C'est pas comme ça. C'est justement pourquoi on vous dit que le mariage, c'est le divorce, c'est en juin. Pourquoi c'est en juin? Pourquoi c'est en juin? Je ne comprends pas. Peut-être la fille a encore le sentiment. Hein? Ce n'est pas lui qui écrit. Le type là est dangereux. Je vous dis. Le type là, c'est un homme dangereux. Même si ce n'est pas lui, c'est un homme dangereux. Ouais, comment vous voyez? Vous voyez une femme qui venait. Je demande, hein, quand tu vois une femme comme cette fille là, hein? La fille elle m'a pleuré parce qu'elle voulait pleurer. Un hein? Bon fidèle. Maman, quand ça te choue, la fille n'a pas pleuré parce qu'elle voulait pleurer. C'est que, hein? C'est que quand tu arrives, que, c'est que Dieu a dit qu'elle est autour. Si tu vas pleurer ici, là, en vrai, tu vas monter ta souffrance au monde entier. Tu vas te libérer. Ça, c'est que quand tu es dans l'émotion, que Dieu agit dans toi. Le Seigneur dit que c'est ici que ça va se passer. Même l'âme là, que tu veux retenir, là, ça coule seulement. C'est que, hein, l'âme a été étouffée, moi, là, elle a craqué. Ici là, ça sort comme ça sort les craquements de ça. Moi, je vais pleurer devant les gens. Je suis fille qui est dure, mais si tu me vois pleurer, c'est que ça m'a touché. L'angala n'a pas voulu pleurer. L'angala pleure parce que maman, hey, depuis un an, maman, l'angala n'a pas pris l'avion. Depuis un an, n'a pas pris l'angala dans l'avion. C'est ma Abidjan pour le Cameroun. Un an sans venir à Paris. L'angala est toujours amoureux parce qu'elle a toujours l'espoir que le gars là c'est un milliardaire en vrai. Oui. Parce que les pleurs, quand tu vois les pleurs là, c'est les pleurs pour faire appel au gars qui dit que je souffre. Oui, si le gars là revient en vrai, veut qu'il vient que il se met la queue, il veut pour équiper le gars. Merde. Regarde alors, tu vois, Djoudou Kalaba, qu'il n'y aura rien. Il s'accroche à elle parce que cette fille, c'est une star. Il n'est pas avec elle parce qu'il n'aime pas. Parce qu'il l'aime. C'est un menteur. Il n'aime personne. C'est un pervers narcissique. Elle va divorcer by force. Tu es qui? Qu'est-ce que tu as dit? Mais je demande, l'engagement, quel problème, mon frère? Tu dis que vous allez divorcer où? Il a consommé le mariage là quand? Parce que quand on dit qu'il y a divorce, il faut avoir consommé le mariage. Il a consommé ça quand? Vous avez vu, il a consommé ça quand? Ceci, Foku va te faire. Je dis, hein, je t'ai dit que vous qui avez les longs yeux, vous allez croiser les serpentologues ici dehors. Continuez toujours. Mon mari est où? Papa maçon. Papa maçon. Je vais te présenter mon papa maçon, papa. C'est mon Djomba. C'est mon vieux reste. Je me suffis avec, tu as compris? Je reste, moi, mon vieux reste, papa. Je me contente de lui. Le mariage, ce n'est pas la course, papa. Le jour que je vais me marier, tu seras le gardien, la sécurité de mon mariage. Tu es pressé. Tu vas me marier par rapport à vous. C'est vous qui avez pris des filles des bêtises. C'est vous qui avez Nathalie, quoi? Nathalie, quoi? C'est lui qui a du caractère. Oui. Vous voulez dire que vous mariez car les vendeurs de piments, elles ont voulu vous faire plaisir. Regardez-moi un chien. Tu vas me marier ou je ne me marie pas. Je suis avec mon père maçon. Il creuse le sol. Tu as compris? Je reste avec lui. Tu as compris, non? Regardez que t'es marié où? Il est là. Je suis passé en France. Tu as compris? En France, je suis passé. Je suis reconnu en France que je vis avec un homme. Nos impôts sont liés. Nos comptes bancaires sont liés. Tout est lié. Même notre sécurité sociale, c'est lié. Choupinet! Si t'es prévenu, ma fille, elle va te dire. Sécurité sociale, lui, il travaille. Il nous a déclaré, Luis Doria et moi, dans la sécurité sociale. Et oh, yeah! Ça, c'est. J'ai dit même, c'est sa carte vitale. Tu as compris? Regardez-moi. Papa nous a déclaré la vente du travail, non? Ouais. Alors, tu entends? On a aux impôts. Je suis déclaré avec lui tout partout. Tout par... Dès que tu vois Fodia, je suis derrière. Tu as compris? Et c'est mon maçon. Je me contente de mon maçon. Je ne rêve pas. Tu as compris? Je ne rêve pas. Regardez-moi quelqu'un. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Vous avez les longs yeux. Les jeunes filles au Cameroun, elles ne veulent plus aller à l'école. Elles veulent être comme les Rihanna. Vous croyez que le Cameroun, c'est les États-Unis? Vous croyez que le Cameroun, c'est les États-Unis? Nous sommes dans un pays. Le Cameroun, c'est pas les États-Unis. Allez à l'école. Vous voulez... Voilà votre soeur qui a rencontré un féman. Vous allez rencontrer un serpentolo. Vous allez rencontrer les mamuata. Qu'ils vont vous ramasser. Ils vont vous récupérer, ils vont vous mettre dans les maisons. Vous avez compris? Tu dis que vous divorcez quoi? Moi, la petite fille, là, je divorce un bandit. C'est un bandit. Le gars là, c'est un féman. Moi, elle, je divorce. Même s'il donne même encore l'argent, que donne-moi ton argent, regarde. Je divorce.
Vous l'envoyez où? Vous l'envoyez où? Un homme qui s'affiche avec les femmes partout, partout dans les réseaux sociaux, tout la honte qu'il a fait à cette fille, il a humilié. Il a humilié. Même ceux qui ne devaient même pas la parler, la parlent. Hein? Parce que tu as aimé un homme, il ramasse les filles, il se parfait dans les réseaux sociaux avec les filles un peu de partout. Il fait les snaps, il met sur Facebook. Vous demandez qu'elle doit résoudre par rapport à quoi? Le temps de nos parents sont passés, nous sommes au temps moderne. Quel divorce, hoha! Elle va manquer l'homme, elle va chercher maintenant un gars au Cameroun. Ou elle cherche même un gars ivoirien, un jeune de son âge, avec qui peut même construire des choses, que même s'il n'a même rien, ils vont battre, ils vont encore multiplier ses millions. Vous parlez de quoi? Vous l'envoyez dans le piège? Allez épouser vos enfants, hein? Allez épouser vos enfants dans vos maisons. Allez, vous allez vous passer le divorce aussi. Le divorce, c'est pas. Le mariage, c'est le support. Supporter quoi? Supporter quoi? Quand un mariage est basé sur le mensonge, ça n'a plus de sens. C'était basé, c'était conçu sur le mensonge. Donc la maison est coulée. Ça ne peut plus continuer. Mais là, ça se gâte. Hein? Mais il y a quelque chose que la fille a dit, que je n'ai pas aimé. Ma soeur, il faut être humble dans la vie. Tu m'insultes, hein? Tu m'as dit que je suis pipitologue, écarté, je m'en fous de tes injures, ma chérie. La première année que je t'ai vu en face de moi, maman, quand elle est tournée, t'es plus belle que toi, je te jure, j'attends ma femme, maman, sans faire le make-up, je te jure, j'attends ma femme, mais ce n'est pas le Congo, ça. J'étais belle. Oui. J'étais belle. Quand j'avais ton âge, j'avais les yeux revolvés. La lame n'a jamais touché mon corps. J'étais belle. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, Zani. Et je vais vous dire quelque chose. Vous, les Ndjoba, les Tisa qui sont dehors, respecter les femmes mariées. Parce qu'aujourd'hui, nous pleurons ton sort. Mais tu as dit, devant les gens, télévision ivoirienne, devant le monde entier, que tu as sorti avec les hommes mariés. Tu as sorti avec les hommes mariés. J'ai sorti avec les hommes mariés. Les hommes mariés. Et tu as sorti avec les hommes mariés. Je me répète. Les hommes mariés. Aujourd'hui, toi, en tant qu'épouse, tu connais ce que c'est que la souffrance. Que tu as un homme à la maison, il couche avec une femme dehors. C'est ce que tu es en train de subir. Parce que les femmes mariées, que les hommes mariés que tu as sortis avec eux, tu as dit qu'on t'a posé la question que la fille qui sortait avec ton mari, qui a fait l'accident, tu lui as dit que c'est bien fait pour elle, parce que machin, machin. Donc hier, on t'a aussi sauté le même sort. Parce que toi qui sortais avec les maris des gens, on t'a aussi sauté le même sort. On t'aurait souhaité que quoi? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Je demande, hein? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? C'est sorti de ma bouche. Je demande, hein? La fille, nous sommes en train de débattre, hein? J'ai sorti avec les hommes mariés. Et j'ai profité, j'ai gagné. Hein? Ouais, pourquoi quand on parle, vous voulez m'agresser? J'ai dit que, elle a dit devant la journaliste, j'ai sorti avec les hommes mariés, pas un, les, c'est au pluriel. Tu as sorti avec les hommes mariés. Aujourd'hui, toi qui épouse, ton mari se pavane avec une femme, et cette femme a fait un accident. Tu souhaites le mal à cette femme-là. Donc hier, quand tu sortais avec ces hommes mariés, on peut aussi te souhaiter le mal. Alors que toi, étant Tisa, épouse, tu peux aussi te mettre à la place de cette fille. Hein? Le karma existe. Ce que vous faites subir aux femmes mariées dans les maisons, mes soeurs, méfiez-vous. Dieu voit tout. Quand tu vois ta vie tourner comme ça, tu te demandes que, hey, pourquoi je tourne à rond? Hein? L'homme dans la vie, si vous voyez les femmes dans les foyers avec leur mari, vous ne connaissez pas ce qu'elles ont enduré, maman. Il y a des sœurs, il y a des mères, il y a nos filles qui ont attrapé la maladie de toilette à cause de l'infidélité de leur mari. Il y a nos sœurs qui ont été battues par leur homme parce que l'homme voyait une autre femme dehors. Les femmes mariées souffrent beaucoup dans les maisons. Les femmes mariées, elles encaissent beaucoup. Les femmes mariées, parfois, elles sont devenues même les tinas de leur mari parce qu'elles encaissent beaucoup à cause de cette tisanie dehors. À cause de cette tisane, ils n'ont pas pitié de celles qui sont dans la maison. Vous pensez, est-ce que vous vous imaginez une seule seconde quand une femme est couchée chez elle, elle apprend que son mari est en train de faire la vie dans une boîte de nuit de Yaoundé ou de Douala avec une autre fille. Elle est impuissante face à cette femme-là parce qu'elle a peur de perdre son homme. Elle encaisse, parfois de meurtre d'AVC,
Nous avons perdu des sœurs qui sont mortes d'AVC à cause des infidélités des hommes. Nous avons perdu des mamans dans les maisons. Elles sont parties accoucher, elles ont perdu leurs enfants sur le lit à cause du stress, des infidélités de leur mari. Vous connaissez ce que ça fait? Hein? Vous connaissez ce que ça fait? Il y a des femmes qui sont mortes. Elles ont eu les 4 lettres. Même 3 lettres. On fait V-I-A-C, 3 lettres aussi. Ça peut être aussi 4 lettres. Elles ont eu 4 lettres. À cause de quoi? Hein? Des infidélités de leur mari. Et aujourd'hui, elles vivent avec ça. Parce que l'homme l'a contaminé. Il y a ceux qui ont perdu leur vie parce que le mari est parti prendre dehors. Il a mis dans la maison. Elles ont trop, elles encaissent trop. Les femmes mariées encaissent beaucoup. Surtout nos sœurs en Afrique. Elles souffrent beaucoup. Alors quand vous faites du mal à ces femmes-là, dites-vous que demain, vous allez payer. C'est comme ça. Dites-vous que demain, ça peut aussi se retourner contre vous. Que vous les respectez ou pas, on s'en fout. Du moment que tu seras avec un homme marié, que tu aies ta place, on s'en fout. Mais sache que tu, quand elle apprend qu'il y a une autre dehors, elle n'est plus tranquille parce que son mari, il n'y a aucune femme qui aimerait partager son mari. Donc, mes chers soeurs, ici là dehors, il y a le karma. Il y a le karma. Ne faites jamais à quelqu'un ce que vous ne verrez pas qu'on vous fait demain ou après-demain. Aujourd'hui, tu dis que l'homme t'a humilié. L'homme là qui t'a humilié là, c'est le mari de l'autre que tu étais avec lui hier. Donc la prochaine fois, faites attention avec les maris des gens. Oui, moi j'ai failli mourir dans le foyer ici. On m'avait dit que quand tu étais le mari avec la femme, avec Otam. Quand j'ai connu Otam n'était pas marié. Otam n'était pas marié, jamais. Je l'ai connu, il était célibataire. Célibataire, c'est là où je l'ai connu. Comme vous devez chercher la vie des gens. On a vécu dans notre petite maison à Chazelle, une petite chambre. J'ai fait cette photo. Il était célibataire, il n'a même pas rencontré sa femme. Vous avez compris? Donc, vous dites que quand vous faites du mal aux femmes mariées, les femmes la souffrent. L'homme rentre souvent comme ça, là, quand il n'a même pas fait l'amour. Elle est dans la maison. Hein? Elle est dans la maison, elle n'a pas fait l'amour parce qu'il est parti vider ses couilles ailleurs. Hein? Il a vidé ses couilles ailleurs. Et il n'a même pas dit que chérie, je t'aime. Parce qu'il a il ne veut plus la sentir. Elle devient sa ménagère, la bonne. Celle qui garde les enfants. Elle est de la maison. Elle devient comme le pot de fleurs ici à la maison. Parce que l'andromade a pris sa place dehors. Et quand ça vous arrive, mes chères soeurs, pardonnez à ceux qui vous l'ont fait. Pardonnez. Le mal n'est pas bien. Moi, je suis contre. Moi, je ne sors pas avec les hommes mariés. Ce qui vous, peut-être vous ne me connaissez pas. Un homme qui est marié, je ne sors pas avec lui. Je peux me binder en passant, mais je ne dis pas que copain, copine. Non! Je peux me binder qu'un bus sort, que Yamo, je peux me binder que vite fait, bien fait. Mais je dis que copain, copine, là, je ne suis pas à faire là. Parce que je sais ce que les femmes endurent dans les foyers. J'en ai souffert, mes soeurs. J'ai failli mourir dans la relation aussi. Quand une femme m'a appelé, je me dis que bientôt tu vas partir, venir te remplacer dans la maison là. J'ai regardé le ciel, j'ai dit que Seigneur, j'avais fait quoi pour mériter ça? J'ai fait quoi? J'ai dormi la nuit, j'ai failli avaler ma langue. Vous ne m'aurez pas peut-être connu. Mais grâce à Dieu, je suis vivant. Au lieu que j'ai envie de me panouiller, que tu as laissé papa Fodjaki, tu fais quoi de? Je suis prisonnier. Je suis prisonnier. Vous savez où je sors? Cette fille a craqué. Elle vous a dit la vérité que je viens de loin. J'ai failli faire une dépression. Ne nous voyez pas souvent comme ça, venir faire le King Kong devant vous. On en souffre. J'ai failli faire une dépression. Tu dis que quoi? Je ne dis rien. Hein? D'un moment donné, ma chérie, divorce avec cet homme. Et ne sortez plus avec les hommes mariés. Quand tu sais que tu vas voir ton mari demain, ne sors pas avec les hommes mariés. Et quand tu sors avec un homme marié, le lendemain, quand tu es marié, quand on vole ta part de mari, digère. Tu digères seulement. Parce que ce que toi-même tu as fait hier. C'est comme ça. C'est la jungle. Nya, 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 you. Oui. Nya, 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 you. Et le karma existe. Oui. Le karma existe. Arrêtez. Laissez les mariés des gens. Parce que la femme que tu as fait son mari hier, elle a... Parce que quand vous partez avec le mari là dans les restaurants, elles sont à la maison. Elles cassent les doigts. Elle regarde la montre. Il est quelle heure? 2 heures, il n'est pas là. Elle prend le téléphone. Allô? Ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. L'homme ne décroche pas. L'andiomère, elle t'appelle pourquoi? Pardon, elle a 4 ans de son tour. Elle sait quoi? Elle ne décroche pas. Elle reste encore
4h du matin, elle regarde la vendue là-bas, 4h du matin. Elle prend encore le téléphone, elle appelle. Pendant ce temps, il est en train de t'imbinda, tu es en train de l'appeler, chérie, mon cœur. Et imbinda, imbinda, tu es là, tu pleures. Elle reste encore, elle attend. 6h du matin, parfois il fait même 3 jours. La femme de Dieu. Tu es là, tu profites du mari de quelqu'un. La femme pleure, elle saute, elle souffre, elle souffre, elle souffre. Tu crois que demain on va te faire quoi le cadeau? Nos grands frères. Quel qu'en soit comment tu as même fait, même si tu étais même soumise dans ce mariage-là, même si tu étais même soumise en tant que tisa, tu as quand même bien avec le mari de quelqu'un. Hein? C'est que demain ou après, demain ton tour pas arriver. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ne te fais pas dans la diaspora. Ne te fais pas dans les réseaux sociaux. Alors conseille à vos enfants de ne pas sortir avec le mari des gens. Conseille à vos enfants de mener une vie tranquille. Nous, on a fait ça. Nous, on a raté nos vies. Mais on a, nous sommes en bain. Moi, au moins, je suis en Europe. Si j'ai faim, je m'en vais à Carrefour. Je n'ai pas mangé. Comme je l'ai dit hier, la première fois, tu ne viendras plus commenter. Je n'aime pas les suiveurs. Bientôt, je dirais que je suis jalouse. Je suis jalouse. Moi, je suis jalouse. Je suis jalouse. Une benguise. Je suis jalouse. Je ne peux pas être jalouse d'une femme comme moi. Je peux donner des conseils à une petite soeur, à vous. Parce que vous êtes mes petites soeurs. Et ne courez pas dans la vie. Apprenez à aimer vos partenaires. Quand tu aimes un homme, n'aime pas l'homme parce que c'est pour le matériel. Aime l'homme parce que ton cœur a battu pour lui. Parce qu'il t'apporte quelque chose dans ta vie. Parce que, je ne sais pas. Et maintenant, si tu aimes un homme pour le matériel, quand tu te rends compte que tu es tombé amoureuse de lui, maman, prends ton gars, tu restes avec lui. Parce que dans ce cas-ci, si l'engagé est tombé amoureuse, n'aie pas honte. Ensemble, tu peux récupérer ton homme. Que Marie m'avait menti, je le cueille hier déjà. J'ai fait comment? C'est mon mari. Tu le ramènes au Cameroun, non? Il va s'installer là parce qu'enfin il n'a pas l'adresse. Vous allez louer l'appartement ici à Paris. Vous installez, vous pouvez, vous allez voir tes petites filles et vous ajoutez encore les 9 enfants qu'il y a là. Ça fait 10. Il y aura la maternité, il y aura beaucoup d'enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Mais je vous donne les, je vous dis les vérités. Quand tu as aimé la vie de luxe, elles sont là au Cameroun, elles ne peuvent plus, elles ne veulent plus rien faire. L'histoire de l'étude à l'Espagne. Mais il a escroqué la fille. Sa petite sœur a volé. Elle a volé 500. Elle a pris la carte de visa de la fille. Elle a acheté les habits dans AliExpress. Quand la fille se rend compte, la fille l'appelle. Il appelle le monsieur. Il dit au monsieur que mais on a utilisé 500 euros sur ma carte que j'ai laissé chez toi. Le monsieur dit que non, il essaie. Il n'est pas au courant. Qu'il ne sait pas. Il a le sac était la personne à toucher. Elle parle à la police de l'Espagne. C'est la police qui mène les enquêtes. C'est là où on se rend compte que là, où on a livré la marchandise d'AliExpress, ça on est sur bois. À l'adresse de la maison familiale. J'ai ça, hein. Je peux mettre ça là si vous voulez. L'adresse de la maison familiale. Et c'est comme ça que la fille porte plainte. On demande à la soeur du gars de payer 1650 euros. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais payé. Elle n'a jamais payé 1650 euros. La fille a appelé son grand frère au Cameroun quand il est parti se marier que mais mon frère, paye même l'année de ta pétition, non? Il a dit que je n'ai pas l'argent. Même quand je suis venu me marier, là, je ne donne pas la suite parce que j'ai ça ici sur moi. J'ai ça ici, mais je ne vais jamais mettre ça sur Facebook. J'ai ça ici. La réponse. J'ai dit, yeah, malé. Yeah, je ne mets pas. Marie-même, je ne mets pas. Je ne mets pas. Je ne suis pas là pour salir les gens. Je parle de ce qu'il y a pas ici, ça s'arrête là. Je ne mets pas. Je mets pourquoi? Pourquoi je mets que sa soeur a volé? Je ne manque pas. Elle a volé. Sa soeur a volé dans la soeur d'un milliardaire qui pas volé la carte bleue. Elle s'habille dans l'Express. Je mens. Voici ça ici. Attends, je vous montre. AliExpress. Le jour, c'est m'a dit que son bon, mon frère, même quand je suis en Bengla, mon petit frère n'arrive au pays, il ne peut pas aller voler. Il peut pas aller voler. Voici ça. Bon, voici ce que le gars a répondu. Ah, ok. J'ai pu contacter. Voilà, elle dit que j'ai pu contact avec une blogueuse camerounaise et je lui ai expliqué la fraude avec Ouattara et le vol de ta sœur. Bientôt, cette histoire sera sur la toile. Escroquer les gens comme ça, c'est pas possible. Le gars répond, tu es sérieux, tu as un souci avec Ouattara, j'ai avec Ouattara. Si tu as un souci avec ma sœur, j'ai avec ma sœur. Mais ne viens pas avec des histoires sur ma personne. Si ma sœur était proche de toi au point d'avoir accès à ton sac. Voici ça, hein. Donc, c'est pour vous dire que moi, je ne parle pas. On m'a envoyé les screenshots. Vous appelez ça comment? Où c'est les screenshots? Tout est là. Il n'y a pas sorti. Il n'y a pas.
Je peux bouger la toile avec ça. C'est un des milliardaires, il n'y a rien. Il est menti à un réseau social. Voilà le nombre du duo là. Il peut pas. Voici la sœur en question. Voici la sœur ici. Regardez même la sœur. Regardez même le sac à main de la sœur d'un milliardaire. Hey, vraiment. Hein. Mais le nylon de Chine. Vraiment. Il m'avait dit 3 colos. La plainte qui était déposée contre lui. Donc la fille doit payer au total 1823 euros. Et lui 3000 euros. Je ne parle pas que celle-là. Voilà, Sprint Hot. Voilà, c'est ça. J'ai tout ça ici. Vraiment, c'est honteux. Hein. Si j'avais balancé, on est comme, oh, total, tu es jaloux. Je n'ai pas balancé. Elle dit, car je garde ça pour moi. Je fais quoi avec ça? Elle m'avait bloqué. Je l'avais écrit. Elle m'avait bloqué. La chose est là. Elle m'avait bloqué. Elle avait envoyé le message. Voici le numéro du mari. J'ai dit que non, pardon, je ne l'écris pas. Je l'écris pourquoi? Le gars promet de rembourser tout ce qu'il avait après le mariage. Voici ça encore. Si moi j'étais mauvais, je devais passer ça sur Facebook. C'est pendant que je faisais ton état de lieu qu'elle a fouillé dans mon sac et a pris les données de ma carte bleue pour faire les achats. Et quoi qu'il en soit, c'est tout ton nom qui ressort dans les affaires du vol escroqué dont je dévoile. Voilà. C'est un peu tout ça. Hein? Je peux vous donner son Instagram, vous partez là-bas, regardez. Hein? La sœur de l'autre, elle va me faire quoi? Je peux vous donner son Instagram. Non, pardon, je ne donne pas, pardon. C'est pas moi les problèmes. J'ai d'abord le sang du macaron aussi là. Mais je connais que le nom d'Instagram, c'est Grazita. Voilà, c'est le nom. Le nom d'Instagram, Grazita. Petite voleuse comme ça, elle vient voler dans le sang de quelqu'un. T'as même pas honte. T'as même pas honte. Voilà le message que son frère l'a envoyé. J'aime pas ça. Mon nom soit sali pour des bêtises comme ça. Règle ça vite. Fais ce que je veux plus. Je veux plus entendre parler de cette fille. Elle a fait le bruit parce qu'il n'y a rien. Franchement, elle saoule. Qu'est-ce qu'elle raconte pour une histoire de 500 euros? Voilà les messages. Elle va venir s'asseoir pour parler que, regardez-moi une chose comme ça là. Une saleté, une voleuse. Une voleuse. Les tchatchanga. Elle vole dans le sac à main de quelqu'un. Voici, non, voici nos échanges, elle et moi. Je l'avais écrit. Je l'avais écrit, elle m'a répondu. Hein. Tu as volé dans le sac à main de Truy, soeur d'un milliardaire. Nous allons t'afficher, tu vas lire en lingala. Et voilà ton corps. Ouais, mais moi, monsieur, un grand cas. Hein. Quand c'est vous la justice, on verra bien, mais dit qu'on verra si elle affiche. Il dit, pas de vous connaît. Je m'en fous de vous, quoi. Elle insulte. Elle va mettre les images de rire. Voilà nos échanges ici. Donc, mes chers soeurs, n'oubliez pas de commander. Je vous ai dit que vous voulez être belle. Vous voulez être belle. Il y a les gélules amaigrissantes. Commandez vos gélules. Commandez les gélules amaigrissantes. Mes gélules, là, c'est la chimpa. J'ai une amie qui m'a dit aujourd'hui, là, que Lolo, vraiment de Dieu, merci beaucoup parce que grâce à tes gélules, j'ai perdu 10 kilos. Elle me dit que Lolo, ce n'est pas la bouche. Je vais conseiller ça à tout le monde d'acheter les gélules amaigrissantes. Ce n'est pas les gélules que vous voyez partout, là, c'est la chimpa. Commandez vos gélules au 0033 766 29 22 01. Bientôt, c'est l'été. N'allez plus acheter les hommes. Faites-vous belle. Mettez votre make-up. Mettez vos beaux vêtements. Faites séduisez ces hommes-là. N'allez, ne rêvez plus. Vivez vos rêves. Choisissez l'homme que vous voulez, qui vous convient. Ne choisissez pas l'homme parce qu'il aime vous montrer les grosses voitures.
Donc, Maï Meng, si tu as besoin de gelée, tu me contactes en inbox sur mon WhatsApp. Choupinette! S'il te plaît, apporte-moi mes gelées là, pardon, maman. Et n'oubliez pas l'application. Et ça nettoie aussi. Les gelules aussi, ça nettoie. Quand vous avez peut-être des problèmes de fibromes là, les myomes, ça nettoie, ça tue ça. C'est l'efficacité. Ça, je dis que ça vous débarrasse de toutes les graisses. Ça vous coupe la famille. C'est un coupe-feu. C'est très efficace. Commandez au 0033 766 29 22 01. J'ai l'arrivage. C'est la fin du mois. Arrêtez de rêver. De croire que ta voisine est belle et que tu n'es pas belle. Arrête de croire que ta copine a un plus beau corps que toi. Alors que le corps qu'elle a, tu peux l'avoir. Tu peux perdre tes kilos en buvant tes gélules. Ça, c'est les gélules. Ce n'est pas une publicité mensongère. C'est une vraie publicité. Là, j'ai pris 5 kilos, mais depuis, j'ai un peu la flemme de consommer les gélules. Parce que quand je commence ça, maman, ça me fatigue. Donc là, je vais quand même commander peut-être d'ici lundi ou dans la semaine. Commandez vos gélules. À vendre en Allemagne, sur ma petite rêve MBI, il y a Momo Stone qui a pris les gélules. Elle connaît l'efficacité. Il y en a à Paris, chez ma petite sœur Michela Pepga. Et je suis là aussi pour livrer partout dans le monde. Donc, commandez vos gélules. Bientôt, c'est l'été. Je vais vous voir avec les gros ventres. Je vais vous voir avec les boulettes un peu par-ci, par-là. Je vais vous voir avec les grosses cuisses. Soyez fines, soyez femmes, soyez sensuelles. Donc, gardez le corps de vos rêves avec les gélules amaigrissantes de Tata Lolo. Ce n'est pas la publicité mensongère. Celles qui ont consommé ont vu, elles ont eu un résultat. Donc, n'oubliez pas, c'est avant de se... C'est Tata Lolo. Karine Bakop, j'ai visité le zombie avec plusieurs femmes. Tu m'as vu. Mais il a. Où est le rapport avec la paix qu'on parle maintenant? Tu dis que le prix. Tu veux le prix en inbox. Et au coquille, bonsoir. N'oubliez pas aussi l'application TapTapSend. C'est la meilleure application pour envoyer de l'argent au Cameroun. Avec TapTapSend, tu sauves une vie. Avec TapTapSend, le destinataire reçoit de l'argent à toute heure. Même si c'est dans la nuit, même si c'est à 2h du matin, l'argent va directement dans son Orange Money ou MTN Money. Alors vous bénéficiez encore de 5 euros de plus sur le premier transfert avec le code LOLO237. LOLO237, vous avez 5 euros de plus sur le premier transfert avec TapTapSend. Envoyer de l'argent à TapTapSend, c'est 2 euros de frais sur tous les mandats envoyés, c'est 2 euros. Donc, TapTapSend, c'est la meilleure application pour envoyer de l'argent au Cameroun. Mon code, c'est LOLO237. Si vous voulez le prix des gélules, venez en inbox. Venez en inbox. Venez en inbox. Viens parler. Il y a encore le corps de Beyoncé, pardon, qui s'en écoute. Tu n'as même pas besoin de gélules, c'est qui là? Donc, les gélules sont là. N'oubliez pas de continuer à partager ma page. Je vais finir. Je vais vous dire ici à mes petites sœurs. Mes filles, que n'ayez pas les longs yeux. Je n'ai jamais envié une femme comme moi. Je ne suis jamais allée avec un homme parce qu'il a voulu manger, vivre avec lui parce que je suis une richesse. C'est que je devais être épouse chez un canot en Côte d'Azur. Si je suivais le matériel, c'est que je suis l'épouse d'un homme depuis. Mais jamais j'ai aimé ce chemin-là. Parce que je vais être tranquille dans ma tête. Je ne veux devoir à personne. C'est la raison pour laquelle j'aime ma petite vie que je mène là. On ne sait jamais. Choisissez l'homme, mais ne choisissez pas le matériel. Et une fois que vous constatez que vous avez fait une erreur, parce que toutes les femmes, nous avons fait les erreurs dans nos vies. Moi aussi, j'ai fait les erreurs. C'est la raison pour laquelle je ne me moquerai jamais de ma petite sœur là. Jamais. Bien au contraire, j'admire son courage. J'admire son courage parce que elle a compris vite fait qu'il faut arrêter ça. C'était une autre femme, elle devait cacher, mais elle a montré qu'elle est une lionne. Qu'elle est une femme qui fait face à ses problèmes. Qu'elle n'a pas honte de qu'en dira-t-on. Elle a affronté les injures, les critiques et l'autre. Pourvu qu'elle soit à l'aise avec elle-même. Elle a dit stop. Alors ça, j'admire ce courage-là. Mais ça n'empêche que derrière ça, il y a eu quand même des petites fautes que nous avons parlé cela. Mais tout ce que nous lui souhaitons, c'est bonne chance. Elle est belle. Elle a tout. Donc elle n'a qu'à prendre son temps. Il y a des femmes qui ont les 5 enfants, 5 pères différents. Elles continuent leur vie. Quand on arrête de lui dire que c'est le père de l'enfant, avant lui, il y a eu un autre. Elle n'est pas donc, avant lui, il y a des hommes qui ont épousé des femmes avec 5 enfants, 10 enfants. Si elle va toujours trouver un homme qui va l'aimer avec ses enfants. Si l'autre est venu l'aimer avec son fils, l'autre va venir l'aimer avec sa fille. Alors, il ne faut pas l'induire en erreur. Elle a pris une bonne décision. Et ça, je m'incline devant cette fille-là que bravo. Parce qu'il y a peu parmi vous qui avez le courage de venir dénoncer devant comme elle a fait.
Mais par erreur, il y a eu des erreurs que dans la vie, même si tu as sorti avec les maris des gens, il y a des choses qu'on ne dit pas en public parce que ça salit même ton image et ça peut donner raison à d'autres personnes. Donc pour ça, je donne le conseil aux femmes que si tu sais que tu seras épousée demain, évite de sortir avec le mari des gens. Et il ne faut pas, avant de rencontrer un homme, même si c'est sélectif qui vit en Afrique, en Europe ici, les hommes sont plus dangereux qu'en Afrique. Ici en Europe, un homme peut être milliardaire alors qu'il n'est pas milliardaire. Il peut devenir milliardaire même pendant un mois. Parce qu'il peut utiliser ses moyens pour devenir milliardaire. En Europe, on loue les appartements meublés. En Europe, on loue les voitures de sport, les voitures de luxe. En Europe, on peut tout louer. Donc il peut te faire, il peut te vendre un rêve. En un mois, tu crois que c'est la réalité alors que c'est faux. Comme je vous ai raconté l'histoire de ma copine, qu'elle a vu Uber, elle a son gars, lui, qui sont les chauffeurs. Donc, derrière son histoire, vous pouvez en tirer des leçons. Ne ratez pas vos vies comme moi. Moi, en ratant ma vie, Dieu m'a déposé en main. Je ne souffre de rien. Donc, soyez intelligente. Soyez intelligente. Dieu merci que il ne t'a pas coupé les bras, il ne t'a pas coupé les mains. Tu as encore ta richesse, tu fais tes affaires, tu es toujours belle. Mais le seul conseil que je peux te donner, encore en tant que grande soeur, sois moins agressive, sois humble. On ne répond pas à tout. Quand tu as atteint un certain niveau de star, ce n'est pas tout le monde que tu peux répondre. Il y a des stars, il y a des personnes qui peuvent même pas. Chez moi là, il y a combien de filles qui font l'exercice chez moi? Il y a encore ma copine là, je la vois même sur les gars, elle disait là. On m'insulte de partout. Tu ne peux pas répondre aux filles là. Quand je réponds à une, elle est contente jusqu'à. Elle va aller faire le direct, crier mon nom, sauter parce que j'ai appelé son nom même en parabole. Même si elle n'appelle même pas son nom de petit nom de Facebook là, elles sont contentes jusqu'à. Je ne leur donne pas l'accès. C'était avant que je me papier. Je ne parle pas à n'importe qui. Et moi, je n'aborde pas n'importe quel sujet. J'aborde ton sujet parce que tu es une star. Tu es une influenceuse. Oui, une influenceuse camée. Ce n'est pas les bacs. L'une des plus grandes influenceuses d'Afrique. Ce n'est même pas un débat, c'est une vérité. D'Afrique. Je ne peux parler de ta chose. Parce que je peux parler pour toi. Tu vas même passer pour parler. Ce n'est pas n'importe qui que tu dois répondre. Tu réponds ou tu vends de trop. En bagarre, ou vends de trop. Ou tu te trop. Tu es une mère. Tu es une chef. Tu es une boss lady. Tu dois te. Lamzam. Fais-toi respecter. Ne sois pas que tout le monde vient commenter. Même celle qu'on appelle classe vient commenter. Tu te mets en spectacle avec elle. Classe, c'est qui? Classe, c'est une fille qui elle-même là. Elle-même qui m'assoit sur classe. Pendant que classe là, tu dis genre de tout. Tu viens faire le poste, tu dis que, ouais, ma soeur, je te demande, je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Tu elle t'avait fait quoi? Classile, on te demande qu'elle t'avait fait quoi? Pourquoi vous devez vous mêler dans les. Quand dès qu'une fille, elle a fait son direct, ça arrive. Moi, mais il y a les jours que je pleure. Elle a pleuré parce que ce n'est pas elle qui a voulu pleurer, parce que c'est une fille qui est fière d'elle. Une fille qui est très fière d'elle. Elle a pleuré parce que c'est Dieu qui a fait que ça coule. Que les gens voient que derrière la grande gueule que vous voyez là, il se cache une petite femme faible quelque part. Elle demeure un être humain, quel qu'en soit la grande gueule qu'elle gueule sur Facebook là, que je vais vous montrer son côté que vous n'avez jamais vu. Elle va craquer. Ça, c'est les œuvres de l'Éternel. Elle a craqué. Mais toi, tu ne peux plus dire que, comme tu crois qu'elle a craqué, ça veut dire qu'elle est tombée. Elle n'est pas tombée. Tout le monde peut pleurer. Ça veut pas dire qu'elle souffre. Ça veut pas dire qu'elle est malheureuse. Ça veut pas dire qu'elle ne mange pas. Ça veut pas dire que ses affaires ne marchent pas. Non. Pourquoi tu veux avoir pitié d'elle? Toi qui? Tu es dit que je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Elle t'a dit que comme elle a pleuré, c'est parce qu'elle souffre. Non. Elle a pleuré parce que ça ne. Elle est émotive. Elle raconte son histoire. Dans son histoire, il y a eu beaucoup de rêves. Dans son histoire, elle voulait réaliser beaucoup de choses. Elle voulait vivre peut-être à Monaco, vivre sa vie entre deux avions, dans ses affaires, vivre avec sa petite fille, peut-être faire une télé-réalité, vivre sa vie. Et après, en racontant cette histoire, il y a un moment où elle peut craquer, c'est l'émotion. Toi, tu viens raconter que oui, elle t'a dit qu'elle souffre. Elle t'a dit qu'elle mange de quoi, elle manque de quoi manger. Elle t'a dit qu'elle n'a pas où dormir. Elle t'a dit qu'elle a un problème. Non, je vais te demander pardon parce que c'est que tu as duré là. Elle a enduré quoi? Tu demandes, tu dis que je parle, tu la. Elle te parle, elle t'avait fait quoi? Tu as fait des affaires, ça n'a pas marché. Tu as fait un business, ça n'a pas marché. Tu as pris ta route, elle a pris sa route. Tu viens dire que tu la pardonnes par rapport à quoi? Tu l'as cousu la vie cadeau. Tu l'as cousu la vie gratuit. Mais elle t'a fait payer. Mais tu as donné de même 2 euros. Tu ne sais pas combien son mari là, tu payes l'entrée. Pour aller au mariage d'une star comme ça, on paye l'entrée. Les filles là, dans leur mariage, on paye l'entrée. Parce qu'elles sont les people. Tu as l'entrée gratuite. Le livre dit que comme tu as cousu la vie, c'est la vie. Tu connais combien d'adresses tu as eu là-bas? Combien de sponsors tu as eu dans ce mariage? Combien de contacts tu as eu dans ce mariage? Il faut arrêter. Tu veux me donner un commentaire. Vraiment, je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait. Elle t'a fait quel mal?
Elle t'a fait quel mal? Elle t'a tué quelqu'un? Vous êtes chat. Vous n'êtes pas allé dans un business. Au lieu de rester tranquille, comme vous aimez souvent du vendeur, vendeur. Vous êtes en train de tuer. Tu as sur sa page. Et elle t'a donné sa propre. Et tu rappelles que tu es au Canada. Est-ce qu'elle va pas venir en Europe? Même si après 5 ans, elle va venir en Europe. Les portes de l'Europe ne sont pas fermées à elle. C'est qu'est-ce qui va arriver un jour en Europe? Donc, c'est mon truc. Donc, quand tu viens en Afrique, tu te moques. Toi, tu rêves de venir aussi en main. Hey! Bah, ça. Vous, les femmes, c'est. Vraiment, j'ai peur de vous. Moi, monsieur, bonsoir. Luisani, bonsoir. Elle a répondu que quoi? Qu'elle vit au Canada. Elle-même qui vit au Canada. Tu sais pas qu'il y a des filles qui vivent au Cameroun qui vivent. En tout cas, le Cameroun, c'est le Cameroun, mais c'est bien. Non, mais je ne suis pas content de classique. Classique, il faut rester tranquille. Tu vends de trop. Tu vends. Si vous êtes mauvais, je vais te dénoncer. Parce que j'ai une amie, elle était au mari du président Boaba. Elle t'a donné sa robe de coude. La robe, elle était c'était la catastrophe. Je n'ai pas seulement parlé parce que tu es ma personne. Je pouvais venir sur la toile, je mets ça, il parle. Ou je lance le direct. Donc, quand vous voulez prendre les gens, quand vous devez rien dire, il faut vous taire. Tu n'as pas le droit de venir dire ce qu'on a sur sa page. Elle ne souffre pas. C'est qu'elle a là. Toi-même, tu as eu les problèmes d'amour un jour dans ta vie. Toi-même, tu as eu les problèmes dans ton foyer. Ton foyer n'est pas toujours. Oh oui, les gens, les femmes, même si on vous cachez. Elle, au moins, a eu le courage que beaucoup de femmes africaines n'ont pas. Elle a eu ce courage. Et ce courage, ça l'a miré. Mais derrière cette histoire, il faut en tirer des leçons. Vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, là, les longs yeux. On va toujours mentir comme ça, là. On se marie pas pour divorcer, on se marie pour rester. Et je vous dis qu'aujourd'hui, là, les femmes d'aujourd'hui ne se marient plus parce qu'elles se marient pas. Moi, elles se marient par intérêt. C'est la raison pour laquelle leur mariage ne dure pas. Je vais demeurer dans mon djomba. Je ne vais jamais me marier jusqu'à la terre va finir. Je reste un djomba à vie. Une place dans mon djomba. Vous avez compris? Je ne me marie pas. Allez vous pendre, je ne me marie pas. Et reste dans mon djomba. Donc, mes chers, arrêtez de raider. Vous avez compris? Vous, les petites filles au Cameroun, là, vous ne voulez plus travailler, vous baiser, vous sortez avec les hommes mariés de partout, partout. Les clitoris se baladent dans les plusieurs bangalas de gauche à droite. Hein? Il faut concentrer vous dans vos vies. Mais là, au Cameroun, c'est que quand tu as réussi dans la vie, c'est que tu as le salon de coiffure. C'est mon institut de beauté. Hey! C'est mon institut de beauté. J'ai ouvert un magasin, je vends les habits. Elles sont devenues les comédiennes. D'autres sont devenues les comédiennes avec le filtrate à tous les jours. Vous, à votre âge, vous mettez encore les filtres. Hein? À votre âge, vous mettez les filtres. Quand on avait votre âge, on ne portait pas les perruques parce qu'on avait les cheveux jusqu'ici. Regardez même ici, j'ai tous les cheveux là jusque-là. À votre âge, on ne mettait pas le make-up. On avait le sujet naturel. À votre âge, vous voulez que. Regardez-moi la vieille, je suis vieille, mais je mets le make-up, je suis plus belle que vous. Hein? À votre âge, je ne mettais pas le make-up. À votre âge, je ne mettais pas la perruque. À votre âge, je mettais mes cheveux. On me disait le fil. La mère, elle est là. Je suis vieux, mais je fais pas le snap. Je fais le snap. Vous faites le snap. Regardez-moi comment elles sont. Elles sont en train de donner les mauvais conseils à la fille. Là. Ouais, ma, reste avec ton mari de quoi? Un bandit. Un escroc. Un voleur. C'est qui me naît, c'est qui nous a souvenir. Il nous a laissé le souvenir dans nos vies. Quand tu penses que tu vas voir la tête du gars là matin, midi, soir, c'est ça qui donne encore la rage à l'angala, mon frère. Tu te réveilles, c'est qu'elle a alors accouché la photocopie du titre là. Hey! Non, Dieu connaît pas les choses, maman. Tu te lèves le matin, tu vois seulement la tête de l'homme, tu dis que yay, l'enfant c'est avec son père. C'est comment? Tu dors avec l'homme le matin, tu te réveilles avec tout H24. Regardez ça, c'est comment? Même à ma vieille, je vais réussir, j'ai compris. Même à ma vieille, je vais réussir. Pas ma soeur va me construire la maison. Vous avez compris? Regardez-moi bien. Je suis plus belle que vous. Vous avez compris? Je suis plus belle que vous. Et je suis plus fashion que vous. Pas ma soeur va me construire la maison. Un bandit. Hein? Un quito, un homme dangereux. Et il vient maintenant dire que ma fille me manque. Quelle fille qui te manque? Tu as 10 fois. Va d'abord regarder d'autres enfants. Laisse l'enfant de tuer. Faut pas déranger l'enfant de tuer. Tu l'as fait trop souffrir parce qu'elle-même aussi. Oh, tu t'en combien, petite soeur? Tu t'en. En marathon, on dit que tu te trop. Sois tranquille. On t'avait dit. J'ai l'air de le conseiller quoi. Quand une femme se marie, tu vois pas que tu es parti, tu rencontres un homme qui n'est qu'avec les femmes qui sont dangereuses. Hein? Tu étais marié avec un homme qui n'a que rencontré les dangereuses dans sa vie. Tu connais la qualité des hommes qui a fait 10 enfants avec 10 mères différentes. Toutes les femmes, vous savez que les femmes l'ont aimé. Elles sont chez les gangans. Ton nom là, attaché ton nom dans les bouteilles, dans les villages, les femmes là, maman. On a attaché ton nom dans le village au Congo. On a attaché ton nom dans le village en Côte d'Ivoire.
On a donné ton nom dans les villages en Martinique. On a attaché ton nom dans les villages. Même en France, c'est les Sénégalais. On a donné ton nom dans les villages. Un peu partout, on a attaché ton nom partout. Le mari là, il a réussi comment? Maman, enlève ta tête, tu pars avec, tu es jeune. Divorce. Enlève ta tête de là, tu es jeune. Divorce. Tu comprends? Divorce. Fais-toi une autre vie. On a attaché ton nom partout. Elles ont attaché ton nom. Tu as même déjà un peu fade. Tu es fade. La fille qui était belle, j'ai vu le dire que aïe. Tu as même pris du poids. Maman, quitte d'elle le type là. C'est un vampire. C'est un homme qui est dangereux pour toi. Il t'a fait manger le rêve. Il t'a fait vivre le rêve. Tu as. J'ai dit que, maman, tu dormais, tu te retrouves. Oh, Alice au pays des merveilles. Je vais pas donner ton nom, par exemple, un père d'Interpol. Alice au pays des merveilles, tu te rends là aux Anges, c'est comme Monaco de ça. N'oubliez pas les jolies d'Amérique. Monaco, tu vas aller à Monaco dans quelques mois, je vais vous montrer Monaco. La personne de Monaco, tu vas Monaco, les jolies sont là. Les mamans dans les yes, les rêves, la vie de Rihanna, ça se passe à Monaco en été. La vie de Rihanna, de Beyoncé, maman Sarah, le mensonge de ça, ma soeur. Bah, c'est ma vie. Mais, aïe! Je n'ai pas parlé mal des Sénégalais. Les Sénégalais sont mes frères. Tu veux me montrer que tu aimes tous les Sénégalais plus que moi. Laisse les Sénégalais dans vos yeux. Le Sénégal, c'est mon pays. Je suis Sénégalais quelque part, tu as compris? Laisse le Sénégal dans vos yeux. Le Sénégal, c'est l'Afrique. Je parle du Sénégal, les champions d'Afrique. Tu as compris? Je parle du Sénégal. Si je n'ai pas content, pends-toi. Maman, laisse le gars à la mamie. Hey, chez un petit gars à l'université de soi. Il y a les petits gars là-bas à l'université de soi, ils sont mignons comme ça. Moi, même si je laisse papa, je ne vais pas prendre un gars à main. Si je laisse papa, faut déjà un jour. Je m'en vais au Cameroun. Gloire, bonsoir. Je m'en vais au Cameroun, gars. Il y a les petits gars au Cameroun que tu laves, mon frère. Et je connais laver l'homme. Je te lave en un, en deux, en trois jours, tes amis ne te reconnaissent plus. Je le wash correctement et bien. Je fais mon gars avec. Il me bouille. Je vais essayer de me faire 6 mois. Je cherche là, 6 mois, je suis opéré mon gars. J'ai dit la vie là. Si papa a fait l'erreur, je lui dis qu'il part. Il dit que papa, à l'heure si, je ne suis plus dedans. Je suis ma gueule. Comment? Il y a des millions de garçons au pays. Vous parlez de quoi? Un kito, quand il mange le chikwan, un gars dangereux, un homme qui n'a pas l'adresse. Il est nanga beaucoup en France, ma soeur. Il est beau. Il n'a pas d'adresse en France. Il n'a pas d'adresse. Son adresse est où? Son adresse c'est où? Quelqu'un qui est chez sa mère, chez ma mère. Ça parle d'adresse où? Ça parle c'est des appartements meublés qui font dans le tcha-tcha. Les appartements meublés dans le tcha-tcha. Ou le jour qu'il a un peu les deux, il prend l'appartement peut-être même pour 6 mois. Il enjoy sa vie, après il part. Il avait pris l'appartement en Espagne avec sa femme ivoirienne. Vous voyez, c'est tout le A1. Pour 6 mois. Là-bas, on dit que c'était la poubelle, la saleté de ça. J'ai toutes les photos. Mais il peut jamais mettre ça sur la toile. Jamais. Hein? Et les longs yeux, la jeunesse africaine avec les longs yeux. Maintenant, c'est là les footballeurs. Hein. Je vous avertis. L'histoire que vous avez gâté les footballeurs. Nous avons une Coupe d'Afrique à préparer. Vous, les petits bordés du Cameroun, là. Nous avons une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde à préparer. Nous avons failli mourir par le Cameroun, match Cameroun-Algérie. Mon cas a failli s'arrêter sur le canapé. Si je vois une de fou, les filles là, si les petits gars, les petits footballeurs là, ils veulent préparer la Coupe du Monde. Hein. Quittez les enfants, ils vous avertissent d'abord. Ces gars doivent se concentrer pour la Coupe du Monde. On ne veut pas qu'ils rentrent au premier tour. On le voit en quart ou le demi ou en finale. Je vous avertis parce qu'on vous connaît. Vous ne devez pas voir les petits, les gars qui ont un peu d'argent avec les grosses voitures, les renvoient. Je vous avertis. L'une de vous devez voir avec les gars là. Ah, maman. Je vais aller à l'Interpol pour la deuxième fois. Je veux que je vous avertis. Laissez ces gars tranquilles. Ils seront là pour. Ils veulent préparer la Coupe du Monde. Nous avons confiance en eux parce que moi, je ne suis pas au Qatar. Je suis au Qatar. Et fort personne, je suis au Qatar. Donc ne faites pas l'erreur, les bordes du Cameroun là. Vos yeux sont maintenant sur les petits, les footballeurs là, les bas au Nana. Et ne touchez pas mon gars là-bas parce que moi, je suis un cougar. J'ai mon gars là-bas. Il s'appelle encore qui est. Koto qu'il a, le côté, il s'appelle Koto. Il s'appelle qui? Le Koto et Kambi, c'est mon gars là-bas. Je suis Kouga. Si je vois un gars avec Koto et Kambi, vous êtes mort en guerre. Je vais en moyen. Vous voyez comment il parle la voisine? Elle je la tape devant ma poche, je finis avec elle. Je tape la voisine, c'est devant vous. Je tourne la caméra, je te tape la femme là.
Kote Kambi, c'est mon petit gars. J'adore le joueur là. C'est mon meilleur. Je vais aller au Qatar seulement pour voir Kote Kambi. Toko et Kambi, le petit là. Je vois l'une de vous. Derrière l'enfant là. Je vais aller à Interpol pour la deuxième fois. C'est moi qui vous dis. Vous avez compris? Toko et Kambi, c'est mon petit là-bas. Ils sont deux. Il y a aussi une autre là qu'on appelle Ngale. Il y a aussi Ngale. Il n'était pas là. Ngale. Il y a Toko et Kambi et Ngale. Va le joueur. Je dis que si je vous vois derrière ces petits gars là. Et Kambi, non? Toko, non? Hein? Toko et Kambi, non? C'est pas ça. Les bordes. Si je vous vois derrière les gars là. Elles sont les comédiennes. Les bordes, les comédiennes, elles sont devenues toutes les comédiennes. Elles se cachent derrière la comédie, vous faites la borne. Si je vous vois derrière les joueurs, oh, vous et moi, nous allons danser le quoi ça dans Facebook, c'est moi qui vous dis. Je m'appelle la boyeuse, les carteuses de ma raté, qui s'est jamais mariée, 12 ans de Djoba, sans épouse, sans me gêner, je suis là. Mon gars est dehors, il va tourner, il va masser vos fesses, il va rentrer ici là. Gamelle, oh, vraiment, que voilà mon joueur. Ah, je dis que si je vous vois derrière les gars, après, je ne vais pas payer mon bien pour aller au Qatar pour rien. Hein. Laissez les coups de rein des gars là tranquilles. Ils doivent se mettre au travail à partir de maintenant. Quand vous allez au Yaoundé, là, vos yeux sont sur les enfants là. On se met sur les vacances. Ils seront au Cameroun. Je vais descendre au Cameroun en vacances. Je vais aller faire le tour des boîtes de nuit. Je vous vois avec les gars là. On va bagarrer en août. C'est moi qui vous dis. Vous avez compris? Regardez-moi celle-là. Elles sont devenues les comédiennes. Elles font le théâtre. Elles font les filtrata. Les make-up. Elles sont les filles. Vous êtes des bordels. Dis donc. Vous êtes des bordels. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je serai au Qatar, René Stade de Lille. N'oubliez pas de commander les gélules amaigrissantes. Je voudrais que Julia Romain, bonsoir. Toutes les femmes sont belles. Arrêtez de rêver la beauté des autres femmes alors que vous-même vous êtes belles. Voici le secret. Vous perdez 10 kilos. En un mois, les gélules amaigrissantes de Tata Lolo. Quand vous voyez que Tata Lolo, comment tu es belle, comment elle est vieille, cache son mec. Je ne cache pas le mec que vous priez, ma vieillesse. Je suis belle, maman. Parce que je mets le paquet sur moi. Vous connaissez combien m'a coûté ma perruque? J'ai fait mes petites boucles aujourd'hui toute seule. J'ai fait mes petites boucles avec mon petit nyanga. J'ai fait mes petites boucles. J'ai pensé à mes lentilles, comme ça fait longtemps, je ne mets plus trop. J'ai mis mes faux cils. J'ai mes petits rouges à lèvres. Je ne me suis même pas maquillée comme d'habitude. Voilà, je suis belle. Pourquoi il n'y a pas les dragues derrière? Il y a les gars qui me draguent derrière jusqu'à... Quand vous m'appelez carteuse là. C'est que je vais carter que tous les jours. Hein? On allait où avec Sandy Bangala? Elle va bien. Elle n'est pas partie à Washington pour écouter. Une longa. Elle est assise là-bas en Allemagne. Avec son mari, Nyan le fou. Vous allez bien? Le numéro c'est le 0033-766-29-2201. Le 0030. Quand ils vont aller me suivre là-bas sur la page, prenez ma part. Hein. Dans Flavie, les vieilles mamies font la bonne chose. Je connais, je vais vous raconter une histoire. J'aime Binda un jeune gars, vous comprenez, non? J'aime Binda un jeune gars un jour. Il n'était pas encore avec papa Foja. J'aime Binda avec un jeune gars un jour, tu comprends? Le gars là, quand il me Binda, il ne fait même pas 5 minutes. Vous avez compris? Il ne fait même pas 2 minutes avec Ajoui. C'est que l'on est tellement sucré, mon frère. L'on est tellement bon. C'est là qu'on dit que l'on pipi, là, ça c'est les feux de paille. Regarde comment j'ai parlé là. Il y a la sueur derrière mon dos. Regarde s'il y a la sueur derrière mon dos parce que je bouge. Maman, le gars là, quand il me bouillait, maman, même pas 2 minutes, il a joie. Aïe, Lolo Fodja, le goût de ça. Oh merde. Quand le gars, même pas 2 minutes. Lui, Zanier, qui est un peu au niveau, il va épingler. Même pas 2 minutes, le gars a déjà joie. Quand il dit que l'ontot de la reine me donne, l'ontot de la reine me sucré. Quand même quand lui-même me dit, il me dit que maman, c'est quoi qui est à l'intérieur? Hé! Hey, tu sens quoi dedans comme ça? Le sucre, le miel. Tu as compris? Un petit gars, il était sa grande soeur. Quand il est carté, quand le gars, quand il montre que maman, ça m'énerve même que c'est même comment. Pourquoi tu es égoïste comme ça? Hein? Ça, c'est quel genre de gars? Quand tu veux seulement binder, c'est marqué Yamo toi seul. Quand toi, tu Yamo vite, comment il fait comment alors pour Yamo, mon frère? Oubliez parfois de faire que toi-même, tu dis qu'il veut faire comment? Tu oublies de mettre 2 doigts pour te satisfaire. Je vous dis ça. Il y a les vieilles mamies qui font les bonnes choses. Servissez-moi. Faites-vous.
Pour gars sont enseignés, mais qui ont une bosse qui est dans le lot. Je connais beaucoup de gars qui ont les femmes qui veulent me draguer sur Facebook. Ils sont nombreux, je ne vais pas citer leur nom. Ils veulent gâter leur mariage. Je dis que non, je ne veux pas. Ils sont pleins. Je dis que le petit gars là, il parle que je dis même petit, c'est qu'il est petit comment. Il y a peut-être les gars, peut-être même de 4 ans comme ça ou de 5 ans. Quand le gars là entré dans mon tote, il va encore sortir. Dès qu'il a le temps, il dit que mon frère, tu es la chèvre. Un papa, c'est la poule. Un papa, c'est le, tu es le coq. Un papa, il a un bolet. Est-ce qu'il faisait de lui-même? C'est que c'est que. Maman, la sensation qu'il y a en moi, en bas là, c'est tout le feu. Le feu. Quand le gars me voit, celui-là, tu as envie de biner que mon frère, si à la femme de quelqu'un, mon frère, peut plus biner avec toi. Oh, ma fille chérie, il dit, Gaël Bayan, je t'aime mon bébé. Je t'aime ma fille. Quand un gars me bindera toujours. C'est qu'est-ce que c'est ça? Un gars qui a bindé à Tata Lolo, il y a de cela 40 ans. Bon, pas 40 ans quand même. Il y a de cela 20 ans. Il aura toujours envie de me binda. Parce qu'il sait ce qu'il y a dedans. Dieu donna le bon Tata Lolo. Il n'aime pas le sabotage. Vous avez compris? Le bon temps, la force et l'expérience. Merci beaucoup, ma paix, ça lui dit, Gaël Bayan. La force et l'expérience. Et moi, je suis sensuel. Ne me voyez pas qui est comme ça, au bois, là. Vous m'imitez? Je suis femme sensuelle, gars. J'adore les préliminaires. J'adore les câlins. Je suis à côté de mon gars. Vous voyez mon gars, vous êtes tu arrives dans une soirée, tu vois deux filles. Une fille avec son mari, c'est comme si c'était des frères. Non. Que c'est mon gars, des petits câlins. Des petits bisous, si tu as envie de toucher, je vais tout marquer ma présence dans son corps. Il faut que je touche quelque chose sur lui. Vous êtes avec vos gars, vous êtes parlé, elle va tasser la bouche. Elle dit qu'elles sont les jeunes filles. Elles n'ont pas fait des cadeaux à leurs copains. Jamais. Hein? Regardez-moi cela. En tout cas, Irène, vous me dites bonsoir. Je vous aime, mes amours. Nous avons parlé l'histoire là. Hein? Nous avons que dit la vérité. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Moi, c'est comme elle a appelé la rococo. Mais, chapeau, ma petite soeur. Même quand tu ne nous aimes pas, quand tu as les problèmes, on te défend toujours. Tu n'as jamais dit que merci, mes grandes sœurs. Tu nous appelles que les coyotes. Ça fait quoi? Nous sommes les coyotes, on accepte. Tu dis que nous sommes les coyotes, mais tu as dit que tu as mis dans le mari des gens. Toi-même, tu es une coyote. Mais si tu n'es pas une coyote, toi-même, tu n'es pas un coyote, que tu es quoi? Une gars qui mis dans le mari des gens. C'est une autre coyote. Toi, tu nous insultes tous les jours. Nous sommes les coyotes, mais nous sommes des grandes sœurs. Nous, on avait même décidé qu'on ne parlait plus des choses. Mais quand on voit qu'on va enlever. On t'encercle, nous sommes obligés de venir te prendre ta défense. J'ai une fille que j'aime dans les réseaux sociaux qu'on appelle Emma Louès. Cette femme-là, c'est une fille généreuse, c'est une fille qui est humble, Emma Louès. Franchement, que Dieu bénisse ta vie. Je t'aime beaucoup. Il y a des choses qui font que je suis venu te clasher, mais je n'arrive pas. Parce que ton amour est plus. Vraiment, tu es simple. Tu es humble. Et c'est ça. C'est, tu es un côté de moi, quoi. Tu prends tout le monde comme toi, mais c'est ça que ça me plaît. Hein? Sois humble, nous on te défend. J'ai déjà venu que remercier mes grandes soeurs. Dès que tu vas entendre un mot, oh les coyotes, ils ne disent pas avec les coyotes, ils sont pas les camarades de classe. Maman, même le français, tu peux pas tenir avec moi. À chacun son âge, je ne suis pas la vieillesse, maman. Je n'ai pas encore 50 ans. On vient à 70 ans, tu m'as vu comme une vieille fille. Je ne suis pas vieille. Demande à Dieu si tu vas vieillir comme moi un jour. Tu as compris? Demande si tu vas atteindre mon âge. Tu comprends? Prie Dieu tous les jours que Dieu a créé. Si tu vas atteindre mon âge, je suis fier de mon âge, je suis belle. Je séduis encore. Tu as compris? Je séduis encore. Regarde-moi quelqu'un. Je n'ai même pas 50 ans. Tu me dis que tu me viens avant le temps. Si tu es un enfant de 30 ans, tu viens, je vais te bouiller correctement, bien sans sentiment. Tu vois que je vais faire quoi avec toi? Hein? Je vais faire quoi? Je vais te regarder. Regarde-moi le petit Tintin là. À chacun son âge. Nous, on a vieilli belle. Vous vieillissez comment? Vous allez à notre âge là, vos veines vont sauter, vos peaux vont sauter, vos nez vont sauter, vos bouches vont sauter, parce que tout votre corps vous est décapotable. Vos corps vous êtes des formes décapotables, mon corps est décapotable. Regardez-moi debout. J'ai les seins, on a que mes seins sont lolo. J'accepte mes seins lolo. C'est Dieu qui m'a donné. C'est la fabrication de Dieu. Voilà mes seins, c'est lolo. J'aime mes seins. Tu as compris? J'aime mes seins. Mes seins sont lolo. J'aime mes seins. Tu as compris quoi? Hein? Il y a dit que, oh, Ma chère, j'aime le make-up. Je mets le make-up. Pas le problème. Hein? Vous êtes des femmes décapotables. Vos fesses vont tomber. Vos nez vont tomber. Vos lèvres vont tomber. Vos oreilles vont tomber. Vos seins vont tomber. Et vous allez ressembler à quoi? Mon frère, nous sommes là. Hein? Rien ne tombe sur nous. On met le make-up. On règne ça avec l'eau. Ça finit. La beauté de ça. Elle m'a besoin de dire, Gaël Bayan. Moi, j'ai 47 ans.
C'est l'âge que tu m'as donné. Pardon, enlève-toi sur ça. J'ai 47 ans. J'enlève 2, j'ai 47 ans. Maman, j'ai 47 ans, c'est mon âge. Oh le problème. Tu as 47 ans. J'ai l'âge de ta grand-mère. Regardez-moi quelqu'un. Je suis fier de cet âge-là. Ah, tu te trop dis donc. Dans ça, la pépère, comment? Je suis là, mais on dit quoi? La charité du jour, moi, je vous laisse. L'eau, la puissance, on dit quoi? Quand tu m'as abandonné, l'eau, la puissance, il n'y a que Momo Stone qui est là, Bado, l'Allemand n'est pas là, tous les Lolomaya, vous n'êtes pas là, hein? Ce n'est pas grave, c'est la nouvelle page, nous aurons les nouveaux abonnés. Voilà la Rosita Inongo qui est là, elle me soutient toujours, ma copine. Ma copine, on dit que je suis laide. Toi, au moins, tu m'as vu jeune. Voici ma copine, hein? Elle m'a vu jeune, elle peut vous dire si l'eau était laide qu'elle était petite, hein? Demandez, Yvette, hein? Inongo, Yvette, hein? Moi, je ne sais pas comment vous n'avez pas de copines dans Facebook. Moi, j'ai les camarades de classe, j'ai les amis d'enfance. Hein? Louise Mi, c'est ma camarade de classe. Nous sommes allés à l'école ensemble. Inongo la Rosita, c'est mon amie d'enfance. Quand je dormais avec elle, elle partait de l'avant, la quinque, je suis à la pure. Je suis allée au bord, je la regarde comme elle s'élève, finit, on rentre. Toujours ensemble, la Kribi. Après, on sait, c'est pas que je suis partie à Douala. Ça, c'est mon ami. Vous avez les amis. Oh, le voit avec vos amis. Moi, j'ai mes amis sur la tête. Sur la, ici, sur Facebook. Kenda, sur bonsoir. Hein? Lydie Gaëbala, c'est ma fille qui m'a vu ça à Paris depuis. Hein? Ils sont là, ils sont là, tous les Kumba. Les filles qu'on le fait là, les Kumba. Parce que c'est mon ami d'enfance. Je ne peux pas mentir sur mon âge quand elle est là. Je ne peux pas mentir sur mon âge quand Louise Mie est là. Je peux mentir sur mon âge. J'ai 58 ans. Hé, hey, maman Sarah. Même le premier fils que ma mère a couché. Qu'elle a poussé de son vent, il est né en 72. Il n'a pas encore 58 ans. Le premier fils de ma mère. Après lui, il y a deux personnes qui suivent. Après, c'était moi. Ça fait 4. Je suis venu en 4e position. Vous avez souvent parlé la vie des gens. Maman, j'ai même 70 ans. Ça répond. Le bal a répond. Papa Foudre, là, il est calé. Vous avez compris? Le général de l'Olomania. On dit quoi? Vous n'êtes pas fatigué d'écouter mon babadage. Il faut me connaître mon âge. C'est mon ami. Elle connaît. Vous venez à Mobelinga. Merci beaucoup à Mobelinga. Ça va partir. La part ici, tu vois. Ça, je n'aime pas moi faire les directs. C'est la masse avec la monétisation. Parce qu'il vient m'attaquer. Après, il commence à dire les gros mots. On va me couper ma monétisation. Pourquoi vous me faites ça? Je vous dois quoi? Hein? Je vous dois quoi? Je suis la seule blogueuse ici, là. Partez même chez Mata Guinée. Elle va bien. Elle va bien. Elle ne prononce pas mon nom pendant l'insulté. Puis elle m'a laissé un peu respirer. Vous avez vu comment j'ai fait ma belle perruque. Ce serait bientôt. Les filles, n'oubliez pas les gélules. Encouragez-moi sur les gélules. Parce que bientôt, je vais mettre un nouveau business sur le marché. D'ici le mois, fin avril, je vais vous présenter un nouveau truc. Un nouveau bébé de Tata Lolo. Et nous allons commencer l'émission à cas ouvert. L'émission à cas ouvert, la semaine prochaine, nous avons une émission. Nous allons parler, je ne sais pas encore de quoi, mais j'aurai des invités. N'oubliez pas de vous abonner sur la page. Abonnez-vous massivement sur la page Tata Lolo TV. Je dis bravo à notre jeune sœur qui a su sortir du silence. Bravo parce que tu as eu le courage que beaucoup de femmes n'ont pas. Tes erreurs du passé vont te servir pour l'avenir. Ne coupe pas. Prends des bonnes résolutions. Soit plutôt le seul conseil que je peux te donner en tant que grand sœur, même comme j'ai raté ma vie, c'est que sois moins, comment on dit ça en français, sois un peu posé, tu tites trop, tu t'agites trop. Et une femme de ton statut, vu l'influenceuse que tu es l'une des plus grandes influenceuses d'Afrique. Donc, vu ce statut que tu as, il y a des choses que tu devrais balayé d'un bras de la main. Tu fais comme si tu n'as pas vu. Tu ne veux pas te répondre à tout le monde. Tu ne veux pas répondre à tout le monde. Et là, je comprends maintenant qui es-tu vraiment. J'ai compris ton personnage. Je comprends que, au-delà de tout ce que tu fais là, tu es une femme qui est très faible. Tu es une femme sensible. Tu es une femme sensible. Tu joues ça seulement pour cacher ton côté sensible. Mais nous avons vraiment vu ton personnage à la télévision là-bas. Et c'est ça qui, ça justifie tes sorties. Dans tout, t'es sorti en désordre. Ça justifie un peu pourquoi tu es toujours en train de sortir dans tout. Parce que tu es quelqu'un qui est. Tu te sens beaucoup blessé. Tu es faible, tu n'as pas un mental fort. Et c'est vrai qu'à tout moment, tu as toujours envie de répondre. Les gens croient que c'est parce que tu as un caractère. Tu n'as pas de caractère, tu n'as pas un dur caractère. C'est parce que tu veux te défendre. Tu veux te libérer. Tu ne veux pas rester sans rien dire. Parce que il y
y a quelque chose qui te manque. Donc, il faut faire attention. Beaucoup de courage. Moi, j'ai pas le problème. Tu veux faire ça en direct, tu me suis, m'en fous. Mais nous t'aimons parce que c'est la fille qui gagne, quoi. C'est la fille qui gagne. Ce qui t'est arrivé, ça arrive à bien des femmes. Il faut en tirer des conséquences. Et la prochaine fois, faire du bon choix. Tout le monde s'est trompé dans la vie. Moi-même, je me suis trompé dans la vie. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Sinon, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Je serais peut-être... je me suis beaucoup amusé avec l'argent que j'ai arrivé en Europe. J'ai beaucoup gaspillé. J'ai pensé à acheter des trucs inutiles. J'ai pensé à... J'ai partagé aux amis. J'ai partagé à la famille. Je vivais le jour au jour, quoi. Je ne pensais pas... Je n'avais pas les trucs qu'il faut économiser. Il faut faire des choses. Aujourd'hui, bon, je ne regrette pas parce que j'assume ce que j'ai fait. Mais, vu que je suis encore vivante, je suis en train de... Je me dis que bon, il ne se fait jamais tard. Tant qu'on vit, on a espoir. Tant qu'on vit, on peut construire encore les choses. Donc voilà, je ne me laisse pas battre. Je ne me laisse pas battre par les injures, par les moqueries. Je sais qu'il y a des choses que Dieu prépare pour moi et je suis engagé à faire beaucoup de trucs. Donc voilà, tout le monde a eu à faire des erreurs. Moi-même, j'ai fait des erreurs. Tu as fait une erreur, c'est arrivé. Mais cet homme ne recule plus. Ne fais pas marche arrière. La décision que tu as prise est la meilleure. Les affaires de la tribunal en France, là, c'est du blabla. Divorce au Cameroun. Et quand tu divorces au Cameroun, on t'envoie la grosse en France et elle est validée. Il faut laisser ça. Donc, et à vous, mes jeunes soeurs, vivez votre vie et non la vie des autres. Ne soyez pas envieuse. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je n'ai jamais été envieuse. Si j'étais une envieuse, c'est que j'ai fait ce que beaucoup de filles ont fait, avec qui je traînais. Elles sont allées chez les marabouts. Il y a d'autres filles qui ont même tué dans leur famille. Elles ont sacrifié leurs parents. D'autres filles qui volaient. D'autres qui sont devenues femmes. D'autres qui ont stocké les argent aux hommes parce qu'elles voulaient la gloire. Moi, j'allais tout doucement. Et je suis là aujourd'hui, je suis fière. Parce que derrière moi, il y a beaucoup qui sont décédés. Il y a ceux qui sont malades au Cameroun. Il y a ceux qui n'arrivent même pas à vivre et que c'est moi qui aide de temps en temps ici. Celles que je n'imaginais pas un jour que je devais les envoyer de l'argent, c'est moi qui les envoie de l'argent aujourd'hui. Dans la petite place que Dieu m'a donnée en Europe, je me contente de ça. N'enviez pas les autres. Contentez-vous de vos vies. Et ne cherchez pas loin plus que vos yeux. Sinon, vous allez toujours vous retrouver au chemin de si je ne savais. Sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine. Et nous restons sur la page Tata Lolo TV. Continuez à partager la page. Continuez à parler autour de vous. N'oubliez pas de me laisser des messages sur mon inbox. Si vous avez un problème et que vous voulez en parler, faites comme notre jeune sœur. Apprenez à parler. La force de la femme européenne, c'est parce que la femme européenne n'a pas honte de dire, de raconter ses souffrances. Elle n'a pas honte. La honte nous tue. Sortons. Enlevez ce voile-là. Enlevons cette honte-là. Exprimons-nous. Et je sais qu'ici en Europe, nous avons beaucoup de problèmes d'hommes. Bonsoir Esther et Bibiane. Nous avons un problème d'hommes. Nous avons un problème de gigolos. Nous avons un problème dans les foyers, dans nos maisons. Alors, ensemble, nous pouvons faire changer les choses. Ensemble, nous pouvons débattre et trouver des solutions aux problèmes de chacune de nous. N'ayons pas honte de raconter nos vies. Parfois, vous allez croire qu'on va se moquer de nous. Les moqueries ne servent à rien. Moi-même, j'ai raconté mon histoire ici. On s'est moqué de moi. On dit tout de moi. Moi, je m'en fous. Ça n'empêche pas que je continue à vivre. Donc, à quoi vous êtes là pour vous écouter? À quoi vous êtes là pour vous accompagner? Même pour vous soutenir, même financièrement, quand il y a possibilité, nous le faisons. Donc, n'hésitez pas de venir sur Accord Ouvert. Bientôt, nous allons avoir notre plateau, comme d'habitude, avec nos invités. Nous allons plus nous contenter seulement des artistes. On ne peut pas mettre ce monde-là de côté. Nous allons prendre les femmes qui ont besoin de parler sur le plateau de l'Accord Ouvert. J'aurai une chroniqueuse et nous allons faire ce qu'on a l'habitude de faire. Entre-temps, si vous avez un problème en semaine, n'hésitez pas de me contacter dans mon inbox. Pour les gélules, 0033 766 29 22 01. Je vous aime, je vous adore. Merci de m'avoir écouté. Merci le commissaire Priseur, Junior Matingé. Merci à toi, la Rosita Inongo, mon ami, ma soeur à moi. Merci beaucoup de me soutenir. Merci mon fils, mon baron Prado, mon Terry Tevora, Lolo Gloria, la Panthère d'Izo, Momo Stone, Lolo la Puissante, la reine mère Julien Zombie. Reine bien, ma petite soeur, Louise Annie, ma maman, à moi, en tout cas tout le monde. Et je vous souhaite bon début de semaine et puis à tantôt. J'espère que vous avez aimé. Défendez-moi là-bas hein, parce que ça sera chaud. Et à toi, petite soeur, courage. Tu es une femme comme ça.